Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue sur votre plateforme préférée, celle-là que nous appelons la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu où nous cherchons simplement à exposer nos avis, nos arguments, pour apporter le peu de preuves que nous avons, sans chercher à vaincre qui que ce soit. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous être fidèles. Merci à ceux qui font le partage, merci à ceux qui mettent des commentaires, merci surtout à tous ceux qui permettent à d'autres personnes de découvrir le message et de pouvoir s'éclairer. Nous avons 5 sujets et le premier sujet concerne les réseaux sociaux. Il a pour titre « Monde des réseaux sociaux, le calme serait-il revenu ?» Actuellement, les réseaux sociaux ont beaucoup bouleversé le milieu de la communication et même des médias. À peine le citoyen lambda parvient à dissocier les hommes des médias de celui des hommes qui animent leurs plateformes, dont Facebook et WhatsApp. Et le rythme avec lequel les réseaux sociaux sont en train de conquérir le monde est tel que la majorité de la population mondiale tend à y être totalement rattachée. C'est désormais une certitude. Les réseaux sociaux constituent de nos jours l'un des moyens rapides de communication et des plus usités, mais les informations qui y sont véhiculées sont-elles aussi fiables et avérées? La course à la primeur de l'information, surtout dans le milieu des non-professionnels, a fait émerger des individus dont le seul but est de nourrir la désinformation et la manipulation des populations. Même des intellectuels tombent dans leur piège. Cela est d'autant vrai que, de plus en plus, l'esprit critique et le doute intellectuel sont hélas en train de disparaître. Ce sont désormais les émotions, le sentimentalisme et surtout les passions qui dominent les débats, ce qui favorise un terrible cafouillage dans la perception des informations. On assiste ainsi à un vrai fourre-tout. Des animateurs de réseaux sociaux provenant de diverses catégories socio-professionnelles, culturelles et de différents niveaux. Toutefois, dans ce vaste ensemble d'individus de tout genre, il y a fort heureusement de très bonnes personnes, des hommes de qualité et même des références au niveau public, universitaire, culturel, musical, sportif et politique. De véritables leaders y demeurent fort heureusement pour apporter de formidables contributions aux échanges et aux débats. Ces gens honnêtes et cultivés s'opposent tant bien que mal à une forte colonie d'individus qui ignorent carrément le minimum de respect, de courtoisie. Ces derniers, composés d'ignorants et d'incultes, règne malheureusement de façon négative sur les réseaux sociaux. Ces gens sans scrupules constituent un véritable danger.
dans la mesure où il diffuse et propage quotidiennement des fausses informations et des mensonges, qui sont des atteintes à la dignité d'autrui. C'est pour cela que l'initiative des autorités judiciaires de veiller sur les réseaux sociaux devient une action importante et salutaire. Les sanctions, après des poursuites judiciaires des responsables de fausses nouvelles volontairement diffusées, ont sûrement mis un peu de froid dans la colonie des délinquants activistes qui polluent la toile pour empoisonner les opinions. Le constat est d'ailleurs que tout devient de plus en plus calme sur les réseaux sociaux. Cela fait que nous constatons moins d'agitation, ce qui est une très bonne chose pour la population. Mais c'est aussi une très bonne chose pour les professionnels de l'information et de la communication, lesquels ont toujours exercé leur métier selon les règles et les normes établies. Alors que certains animateurs des réseaux sociaux avaient causé beaucoup de tort, surtout en 2020. En général, ces derniers n'ont jamais servi à aider à la promotion de la vraie information et communication. Pourtant, la communication est normalement une discipline qui s'apprend et qui s'exerce dans un cadre qui se conforme aux règles exigibles, à savoir l'éthique et la déontologie. N'est-ce pas que l'assainissement des réseaux sociaux était devenu une urgence? C'est un article tiré du journal Le Pélican. Et là, vous ferez vite de comprendre que malheureusement, les réseaux sociaux sont devenus un carrefour du capharnaüm, du désordre, où tout le monde s'improvise. On en a même vu s'élever dire pagetazé, pagetazé, pagetazé. Et malheureusement, c'est ça aussi les réseaux sociaux, avec 100 francs CFA, avec un vieux téléphone d'une génération inconnue et méconnue, tout le monde peut rester quelque part en brousse ou dans son salon pour dire ce qu'il veut. Et c'est dans ça que se trouve le drame de l'Internet. Ce sont les idiots, ce sont les analphabètes, ce sont ceux-là même qui devraient être des moutons de la masse qui veulent être les têtes de file, qui veulent conduire les hommes intelligents. Et c'est pourquoi nous disons, des plateformes comme la nôtre, vous en trouverez très peu. Des plateformes constituées d'hommes intelligents, d'hommes responsables, des gens qui ont de la suite dans les idées, ce n'est pas évident. Et donc, forcément, nous ferons preuve de singularité, mais cela démontre aussi la nécessité même de notre présence pour continuer le travail que nous faisons, pour éclairer ceux qui veulent être éclairés. Et malheureusement, la Russie et bien d'autres États comme la Corée du Nord n'aident pas dans la tâche quand ces États-là même se constituent en propagateurs de la désinformation, ont toutes des cellules pour désinformer, cela rend difficile. Si quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il y a plus de 500 sites pour désinformer sur la Côte d'Ivoire avec les réseaux liés à l'opposition ivoirienne, surtout du PPACI et des soroïstes. Et donc, quand vous prenez par exemple la bande des soroïstes, vous voyez que c'est une bande d'analphabètes, d'incultes, qui ne sont là que pour faire étalage de leurs émotions les plus abjectes, mais surtout désinformées, sans honte et sans conscience morale. Et c'est surtout cela qu'il faut éviter. Et il faut punir ces individus défaillants de notre société. Sujet numéro 2. Lettre à grand-père. À quand la fin de tout ça? Oui, grand-père. La question légitime que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est quand la fin de tout ça? Pas la fin de la transition, hein, cher grand-père. Elle peut continuer encore 20 ans pour faire 23 ans ou même plus. Oui, à jamais le colonel Assimi Goïta, comme chef des décrets et des nominations, de l'État, je voulais dire. Le colonel Malick Diaw, comme le président des leveurs de main, Sadio Camara à la défense et Modibo Koné à la sécurité d'État. Coup d'humeur, de tonnerre plutôt. Quelle chance! Oui, grand-père. Ceux qui sont conseillers et qui ont peur de quitter restent.
que ceux qui n'ont aucune compétence pour faire autre chose après cette transition ne partent jamais. Tous ceux qui gagnent des millions par mois ou qui profitent bien du moment restent à leur place et que ça ne change jamais. Qu'aucun vote, qu'aucune élection ne vienne interrompre ce bonheur, qu'aucun changement ne mette fin à ce beau climat. Belle voiture, cette belle vie. Que tout reste intact. Mais cher grand-père, à quand la fin de l'autre côté de ce calvaire? Ces innocents qui meurent chaque jour de cette guerre et de cette insécurité dans le Mali. Oui, grand-père, à quand la fin de cette histoire d'Azawad, de Sharia ou d'État tout militaire? Cette puissante fabrique de veuves et d'orphelins maliens. Oui, grand-père, à quand la paix et la sécurité dans notre Mali? Quand est-ce que notre pays sera stable? Quand serions-nous des vrais souverains qui n'obéissent ni à la Russie ni à la France? À quand des solutions de laboratoire à la place des coups d'humeur sur Facebook et Twitter? À quand notre retour à un pays libre et non aligné qui ne sert la droite ni la gauche, mais qui traite tout librement sans créer des ennemis? À quand la paix entre les fils et les filles du pays? À quand un Mali sans guerre, dans la sécurité et le développement? À quand, cher grand-père, et surtout comment? À quand des actions de rassemblement et d'unité pour le Mali? À quand des actions pour le Mali et uniquement le Mali sur des bases de réflexion et non de peur, de colère ou de haine? À quand des vrais états généraux sur l'éducation, la sécurité, la décentralisation, la démocratie et le développement? À quand le débat, le vrai, sur notre statut d'engagé mais non aligné, inventé et créé par le père président Modibo Keïta et qui sauva le monde de la guerre des deux blocs par ce trait d'union, le troisième bloc non aligné, et sauva l'économie mondiale et le monde? Oui, grand-père, à quand le débat sur la République et la justice? À quand la grande constituante tant attendue, celle de la vérité, du pardon et de la réconciliation? Cher grand-père, tout espérant, un appel malien du colonel chef d'État, président de la transition, Assimi Goïta, à un cessez-le-feu et un rappel au dialogue et à la réconciliation. Oui, un grand appel malien pour tout ce qui reste à faire, afin de signer une fin heureuse de tout ça, pour le Mali et pour l'avenir. C'est une lettre de Kureishi que nous avons eu à prendre sur maliweb.net pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Et là déjà, cette lettre nous fait le résumé de ce qu'est devenu le Mali aujourd'hui. Et bizarrement, la prise de Kidal et du Nord est un échec tellement patent, un échec tellement cuisant, que la MINUSMA que Assimi Goïta et sa bande ne veulent pas, non seulement ils ne disent pas la vérité aux Maliens, mais ils avaient l'intention de se cacher derrière la MINUSMA en pensant que la MINUSMA leur aurait permis de pouvoir rentrer dans ces villes. Et malheureusement pour eux, quand la MINUSMA libère des camps, les forces armées du Mali essayent de prendre ces camps-là, les choses se passent très mal pour eux, parce que c'est l'Azawad qui vient les chicoter. Et ce qui est encore plus énervant, c'est que tout dernièrement, l'Azawad vient non seulement de les mater, mais de prendre d'importantes quantités d'armes, au point même que je me demande si l'armée malienne ne fait pas exprès aujourd'hui pour livrer des armes à l'Azawad et puis refuser le combat. Et donc on écoute ici cet extrait pour que vous vous en rendiez compte, avec surtout la traduction qui m'a été donnée. Et donc le monsieur nous dit que depuis que les forces armées du Mali n'avaient pas encore atteint la ville d'Anéfis, que lui avait dit à un certain Amala que les forces armées du Mali ne pourraient jamais vaincre les forces de l'Azawad.
6 mois de formation TC nous n'a ça nous nous chibé de quelle là état islamique chibé de. Et donc il dit comme ça que en réalité l'armée malienne à travers ses soldats qui n'a qu'une formation de 6 mois ne peut vaincre ces gens de l'Azawad et que ces gens ont passé toute leur vie dans le combat. Si vous vous souvenez hier de la brève histoire que je vous avais donnée, vous vous souviendrez que le combat dans le désert ne se fait pas au hasard et le combat dans le désert est très particulier. Ils sont entraînés, c'est des commandos. Autre c'est qu'Ouli a 6 mois de formation que tu as besoin de couvrir ça. Depuis Marta, depuis Massé en effet, à ma l'année ma vie monte sous là. Yo me a dit, ne m'ouvre pas ma canne. Quand t'as trop coupé le corps, t'as coupé mon ombre, mon ombre. Aïe mon ombre, coupé mon ombre là quoi. Et donc dans ce cas-ci, le monsieur nous explique que dans le cas particulier qu'il est en train d'expliquer, il n'y a même pas eu de combat entre les soldats de l'Azawad et l'armée du Mali. Parce que les soldats maliens ont simplement levé leurs bras en signe de reddition et donc ont permis aux forces de l'Azawad de récupérer assez d'armement pour essayer encore de consolider leur position sur le terrain. Et il dit que vraiment ça a été une très grande honte. Il dit que ça a été une honte légendaire sur leur dos. Et là, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali qui sort pour mentir aux Maliens que c'est la MINUSMA qui les avait trahis, alors que ça aurait été tout le contraire sur le terrain. Et donc, contrairement à ce qu'eux auraient souhaité, ils veulent chasser la MINUSMA. Mais en même temps, ils veulent aussi que la MINUSMA les aide. Le monsieur leur rappelle que la MINUSMA est une force d'interposition qui n'a pas de parti pris. Et donc, contrairement à ce que voulait l'armée malienne, la MINUSMA ne peut pas protéger les soldats maliens qui sont partis libérer Kidal de leur propre volonté. Et donc, il aurait été mieux que les vidéomans de la transition, ainsi que les menteurs payés qui sont venus pour essayer de travestir les faits, il aurait été mieux qu'ils se taisent parce que la vérité a fini par les rattraper. Parce que le ministre de la Transition, il a dit qu'il n'y a pas de temps, il a dit qu'il n'y a pas de temps. Quand il y a des vidéomans qui ont été faits, il y a des gens qui ont été faits, le ministre de la Transition, Et donc, il revient sur un cas particulier de mensonge que Abdoul Niang avait même étalé sur les réseaux sociaux en faisant croire que dans leur progression, l'armée du Mali qui allait occuper un certain camp de la MINUSMA, que la MINUSMA a demandé à l'armée malienne de rester en retrait dans la ville, de mettre les armes derrière et de venir les bras vides dans le camp. Et donc, comment se fait-il que on peut demander à une armée qui est venue pour occuper un camp de rentrer dans le camp les bras vides? Quand on parle d'un camp, la puissance d'un camp, la valeur d'un camp, c'est les armes qui s'y trouvent et non les soldats qui s'y trouvent. Ce qui est un mensonge qui ne passe pas dans un esprit correct. Mais les Maliens, comme eux, ils ont besoin du mensonge pour vivre. Ils ont cru à cela. Mais la réalité est que, quel que soit le cas de figure, il y a des centaines d'armements extrêmement importants qui ont été livrés gratuitement par l'armée malienne, cette armée de vauriens. Ces armes ont été livrées à la SEMA parce que l'armée malienne a aujourd'hui peur du combat.
sisan ministre bolen filɛ kana jɔ wala tiɲɛ fɔ k'u donna kan kɔnɔ k'u y'a ɲini minisima fɛ ko minisima ka u dɛmɛ ka wagati d'u ma u ka minisima bɛna taa yɔrɔ min minisima ni mali sɔrɔsiw ka taa ɲɔgɔn fɛ yen. Vous voyez, vous avez chassé la MINUSMA. Maintenant, vous dites encore que non, vous voulez rester et que la même MINUSMA protège votre armée. Voilà l'incohérence à son niveau le plus absolu. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Vous pouvez faire goût au MINUSMA qui est là. Comme le MINUSMA, c'est ma droit de dire à Mouti, MINUSMA Mourou là. MINUSMA Mourou m'a sauvé. MINUSMA Mourou m'a sauvé, ma voiture. Sema nana don kan kɔnɔ parce que sema bɛ minisima mɔgɔw ni armée malien bɔ dɔ ɲɔgɔn na o tuma sema mɔgɔw nana don kan kɔnɔ u ka minɛn bɛɛ minɛ u la ka sɔrɔ k'u siri bulonda kɔnɔ ka ye. Et quand ils ont fini voilà. de les désarmer proprement, ils les ont attachés et tellement, on le dit en Côte d'Ivoire, ils font rien avec l'armée malienne. Ils les ont simplement attachés et puis fait coucher sur le ventre et puis ils ont pris les armements de l'armée du Mali et puis ils ont passé. Ça, c'est ce que... Sema, là, c'est les gens de l'Azawad. Vous ne les connaissez pas encore. Assimi est couché avec les femmes au Mali, là-bas, dans son camp. Vous, ils vous envoient au front. On vous conseille, vous ne comprenez pas. Allez vous donner à la mort. Sujet numéro 3. Après la formation du nouveau gouvernement, le président Ouattara fixe ses priorités. Le président ivoirien a présidé le premier conseil des ministres du gouvernement Robert Beugré-Mambé le mercredi 18 octobre 2023 au palais de la présidence de la République. À cette occasion, le président ivoirien a décliné ses priorités. Il faut dire qu'il y avait 4 priorités si on veut simplifier les choses. Le président ivoirien. Le nouveau gouvernement doit relever les défis que traverse le monde. Robert Beugré-Mambé a succédé à M. Patrick Achi à la tête du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan était aux côtés du président ivoirien le mercredi 18 octobre 2023 pour le premier conseil des ministres et de la nouvelle équipe gouvernementale. Le président Alassane Ouattara n'a pas perdu de temps pour fixer ses priorités et clarifier les missions qui attendent le gouvernement Beugré-Mambé. Notre pays renforce également ses avancées démocratiques, comme l'atteste la tenue, les 2 et 16 septembre 2023, des élections locales et sénatoriales ouvertes, transparentes, démocratiques et apaisées. Les bons résultats et les élections traduisent l'adhésion de nos concitoyens aux actions menées par le gouvernement et nous encouragent à poursuivre dans cette voie. Le nouveau gouvernement doit relever les défis que traverse le monde et notre sous-région, ainsi que les différents chocs macroéconomiques qui se traduisent par une inflation généralisée, la hausse des taux d'intérêt mondiaux, avec pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat des populations, a fait savoir le chef de l'État. Par ailleurs, le numéro 1 ivoirien a fait savoir qu'il suit de très près la question du coût de la vie. À cet égard, le gouvernement devra donc veiller à assurer l'approvisionnement du marché intérieur en produits alimentaires et en denrées de première nécessité dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, surtout les plus vulnérables, a-t-il recommandé. Donc, premier aspect, le chef de l'État a dit, le monde là, ce n'est plus un monde où tout est tranquille. Aujourd'hui, l'économie mondiale est bouleversée. Ce qui fait que, quel que soit où tu te trouves sur cette planète là, aujourd'hui tout est devenu cher. Et donc, lui-même en tant qu'économiste, lui s'occupe de ce premier aspect pour s'assurer que les Ivoiriens là, tout va aller bien. Maintenant, il a demandé au ministre de l'agriculture, au ministre du commerce et au premier ministre de s'arranger pour ne pas que les Ivoiriens manquent des denrées de première nécessité et des produits de consommation massive. Parce que si ces commodités-là manquent, ça va encore faire augmenter les prix. Donc il a demandé. Hello? Yeah. Yeah, I think so. Okay, see you then. Okay, all right. Donc, vous m'excuserez. Et donc,
Ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de détailler ce qui s'est passé. Il y a quatre points majeurs. Le président assume la responsabilité globale. L'économie mondiale et le fonctionnement des économies, en tant qu'un économiste lui-même, il assume ce domaine. Mais c'est le rôle du ministre du Commerce de s'assurer que, un, les gens ne font pas des augmentations fantaisistes. Deux, que tout se passe très bien, que les marchés sont approvisionnés et que tout se passe correctement. C'est le rôle du ministre de l'Agriculture de s'assurer que les produits sont produits, si vous voulez, et soient sur le marché. C'est le rôle aussi du ministère de l'Intérieur et autres de s'assurer que les 33 barrages, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de corruption. Et donc, il y a tout un travail qu'il faut faire. On ne peut que parler globalement, sauf peut-être à travers des questions, je vais expliquer. C'est l'orientation que je donne dans ce domaine au Premier ministre, au ministre d'État, au ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, en liaison avec le ministre des Ressources Animales et Halieutiques et le ministre du Commerce et de l'Industrie. Il a été plus que très clair. Donc là, si on dit que la vie est chère, le président dit que lui, il en est conscient et que c'est partout dans le monde. Mais si chacun joue son rôle comme il se doit, la vie sera tenable. Et ça, il ne faudrait pas que les uns et les autres oublient cette responsabilité. Le président a aussi déclaré qu'au plan interne, le gouvernement devra assurer la bonne exécution du programme économique et financier conclu avec le FMI en vue de consolider nos acquis et accélérer le développement économique et social du pays. Vous vous souvenez tout dernièrement, le FMI a donné 500 millions de dollars à la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est qu'une petite partie d'un projet qui a commencé depuis bien longtemps. Donc, le président a dit qu'au plan interne, là, il faudrait que ceux qui sont en train de suivre ce dossier-là, ils puissent consolider les acquis. C'est-à-dire faire ce qu'il y a à faire. Les travaux qui sont là, il veut les voir aller vite, accélérer le développement économique et social du pays. Ça veut dire ce qu'il a reproché au gouvernement Patrick Achille, là, la lenteur dans les projets-là. Il est revenu sur ça. C'est chercher l'argent qui est difficile, ou bien c'est dépenser l'argent qui est difficile. Et ça, le chef de l'État, c'est un avertissement. C'est un avertissement qu'il donne au gouvernement. Et on espère bien qu'ils vont comprendre. Parce que, à travers aussi cette posture-là, on arrive à comprendre « Ah, la scène est vieux, il ne peut plus comme avant. Ah, » C'est la scène de 90 là qui est là maintenant. Les gens l'ont forcé jusqu'à... Et maintenant, son côté 90 est en train de sortir. Et donc là, ce qui est mieux pour vous là, c'est de vous mettre à son rythme. C'est lui le président. C'est à vous de vous mettre à son rythme. Lui ne peut pas vous suivre. Parce que c'est à la fin, là, c'est lui qui va répondre de tout ce qui sortira comme résultat final. Et donc là, faites ce que vous avez à faire. Le président a tout mis pour que les Ivoiriens soient heureux. Les blocages, là, en général, viennent des ministres qui n'ont pas travaillé dans leur secteur. Et le président, c'est vrai qu'il n'a pas utilisé les termes directement, mais en conclusion, c'est ce qu'il veut dire. Et donc, il a dit à chacun ce que chacun doit faire. Pour ne pas que demain, vous venez dire « Ah non, on s'est trompé, on n'a pas compris, il y a eu conflit d'intérêts. » Non, 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 tout a été clair maintenant. Et vous avez vu, est-ce qu'il a pris le ministre de l'Intérieur dedans pour lui dire « Voilà ce que tu dois faire. » Est-ce qu'il a pris le ministre de la Défense pour lui dire ce que tu dois faire? Donc, vous qui avez été pris par vos noms là, faites beaucoup attention. Et vous êtes attendu et par le président et par les populations. Et donc, on vous regarde. Mais ce n'était pas tout. Avant de commencer cette rencontre gouvernementale, le président a donné les missions de cette nouvelle équipe gouvernementale, appelant les ministres à faire preuve d'humilité et de proximité avec les populations. Quand on dit être humble là, c'est reconnaître l'humanité qui est en l'autre, même quand je me sens mieux que lui. Mais je me rabaisse pour que la personne ne soit pas frustrée. Quand on voit certains, leur arrogance fait froid dans le dos. Quand on voit certains, eux, ils s'imaginent que la vie, là, il n'y aura pas un jour qui s'appelle demain. Eux pensent que la vie, là, on peut aller sans frein. C'est l'arrogance. On se coupe du peuple. Mais le président vous a dit ça plusieurs fois. Votre comportement, là, ça fait que les gens n'ont même pas envie même d'être dans le parti.
Votre comportement d'arrogance, vous vous êtes coupé des populations. Une fois que les élections finissent, c'est fini, on s'en fout d'eux. Tout le monde pouvait faire ça, sauf le RDR-RHDP. Et donc le président, pour une troisième fois, vient de vous dire de changer. Et voilà ce qu'il a dit. Je veux que vous continuez d'être des exemples. Je voudrais demander que vous fassiez preuve d'humilité et de proximité avec les populations afin de mieux les servir. Comment tu peux servir quelqu'un si toi tu dis « Ah lui il vaut rien, lui il n'est rien, ah lui c'est un ménage minable, ah non non non, eux là ils se plaignent trop. » Mais quand quelqu'un se plaint là, il faut l'appeler, tu lui demandes bon, « Frère, tu te plains là-haut. Bon, » tes complaintes là, essayons de voir ensemble ce qui est vrai dedans. Ce qui n'est pas vrai là, je vais te dire aussi. Et puis ce qu'on peut arranger entre nous, on n'a qu'à faire. Soyez des hommes simples, soyez des gens ouverts. On n'a pas dit de prendre vos salaires pour donner aux gens. Si on vous demande ça, ce serait faire preuve d'injustice. Mais au moins là, prendre le temps d'écouter l'autre, de savoir que Dieu n'a pas loti un ministre de la République à la même enseigne qu'un planteur chez nous en Côte d'Ivoire, ou bien même quelqu'un qui doit se débrouiller chaque jour pour gagner sa pitance. Quand vous prenez le temps d'écouter les gens, de trouver ne serait-ce qu'un minimum de solutions, les gens même là, ça, ils sentent que leur vie, là, il y a de la valeur dedans. Évitons l'arrogance. Tout ça, ça finit par faire détester un pouvoir. Je vous demande également de vous mettre au travail et de traiter les dossiers avec célérité et diligence. Vous voyez, le même mot là revient. Célérité et diligence. Ça veut dire, quand vous avez quelque chose là, faites vite. Normalement, le vieux, il est pressé. Avec célérité et diligence. C'est avec rapidité et de la bonne manière et puis bien faire. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ça, il l'a dit aux membres du gouvernement ivoirien dans une adresse en date du 18 octobre 2023. Et on espère bien que ceux qui veulent se corriger, parce qu'il y a des gens là, eux s'en foutent, mais c'est dans « je m'en fous » là, vous allez vous griller dans votre propre graisse. Il y a des exemples qui se sont passés devant vous. C'est ça qui a conduit à remaniement ministériel. Un jour là, il va vous chasser en pleine journée là, sans remaniement, mais il va vous dire « bon, faut rendre ton truc ». Vous le connaissez pas encore. Il va dire, bon, c'est bon comme ça, ça va. Lui, mais il va prendre la responsabilité. Comme de la main, il a pris ministre de la Défense, là. Un jour, là, vous allez l'énerver, là. Il va dire, bon, c'est bon, moi-même, je prends la responsabilité. Et puis, il va prendre des technocrates, là, faire son travail, là. Vous n'allez même pas les voir. On vous parle, là. Il va prendre des spécialistes pour faire son travail. Et puis, on va passer. On va dire, mais la Côte d'Ivoire est volée, on ne sait même pas qui est derrière Ouattara. Il n'est pas un dieu. Il sait qui prend pour atteindre quel objectif. Mais s'il vous prend, là, c'est votre chance qu'il vous donne pour faire votre promotion. Vous allez l'énerver là, il ne va rien dire. Parce que vous, ministre là, ce n'est pas le ministre là qui fait le travail, ce sont les spécialistes là. Il va prendre des spécialistes dans l'ombre là. Il va faire son travail propre. Son gouvernement va se retrouver avec 4 personnes. Continuez, il ne va même plus faire le remaniement encore. Mais le nombre des ministres va diminuer. Vous savez que moi, je ne parle pas dans le vidéo. Mais vous allez voir, continuez à être des feignants. Le nombre des ministres va diminuer au fur et à mesure. Et il n'y aura pas de changement. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver avec 4 ministres et le travail sera fait et mieux fait. C'est là que vous allez regretter. Et donc, on va au sujet numéro 4. Fabrication des passeports en Côte d'Ivoire. Le président de la République songe à recruter un nouvel opérateur. Alors que le contrat de fabrication des passeports ivoiriens opéré par le groupe SNEDAI depuis 2009 arrive à échéance en 2024, le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, se prépare à lancer un appel d'offres pour trouver un nouveau fournisseur. On dit, la compagnie qui fait nos passeports là, s'appelle SNEDAI. Normalement, depuis le temps de Gbagbo en 2009, là, le contrat que SNEDAI avait signé avec l'État de Côte d'Ivoire, le contrat là finissait en 2024. Et donc, comme le contrat est en train de finir, et puis de la manière on a vu des malversations dans l'obtention du passeport ivoirien, le président Alassane Ouattara a décidé de trouver un nouveau fournisseur pour la fabrication et la confection des passeports ivoiriens. Où est-ce qu'on a eu l'information? C'est Africa Intelligence qui donne l'information dans un article publié le jeudi 19 octobre 2023. C'était hier. Cette révélation intervient alors qu'un scandale concernant la fraude sur le passeport et la nationalité ivoirienne et le trafic des passeports a récemment secoué la Côte d'Ivoire. Le scandale a été révélé en partie par Jeune Afrique en juillet 2023, où il a été fait mention de fraude massive sur la nationalité ivoirienne et les passeports. Plusieurs hommes d'affaires de premier plan présumés coupables ont été arrêtés et incarcérés en relation avec cette affaire.
Le groupe SNEDA est dirigé par Adama Bitogo, dont les agents feraient l'objet d'une enquête et d'autres interpellés. Selon le média français, a formellement démenti ces allégations et nié toute participation à des activités illégales. Les préoccupations concernant la fraude sur la nationalité et les passeports ivoiriens font l'objet d'une surveillance continue depuis quelques années. Des alertes avaient été lancées par des représentants européens en Côte d'Ivoire, conduisant à l'ouverture d'enquêtes pour mieux comprendre l'ampleur du trafic présumé. La dernière alerte provient du Qatar en juin 2023, lorsqu'il a été révélé que plusieurs personnes avaient été arrêtées à la frontière du pays avec des passeports ivoiriens, mais avaient ensuite avoué ne pas être ivoiriens. Selon les informations de Jeune Afrique, le nombre de passeports ivoiriens potentiellement frauduleux pourrait s'élever à près de 120 000, dont au moins 25 000 ont été retrouvés. Ces passeports frauduleux auraient été utilisés par des individus de diverses nationalités, notamment des Nigériens, les gens du Nigeria, des Syriens, des Libanais et autres nationalités. L'initiative du président Ouattara visant à recruter un nouvel opérateur s'inscrira donc dans une volonté de répondre aux préoccupations et à la nécessité de garantir un processus de délivrance des passeports de haute qualité et sécurisé. Donc voilà l'information qui est là. Quand on vous dit d'être correct, que vous ne voulez pas être correct, il y a des gens de SNEDA qu'on a attrapés en train de participer à cette fraude. Actuellement là, il y a près de 120 000 personnes qui ont des passeports ivoiriens. Il y a des gens qui sont des terroristes, il y a des gens qui sont des contrebandiers, il y a des gens qui sont des narcotrafiquants, il y a des gens même qui sont des 419, c'est-à-dire des arnaqueurs. Il y a des gens qui utilisent ça pour faire de la fraude à l'échelle internationale. Figurez-vous un Nigérien qui prend le passeport ivoirien. Vous pensez que c'est pour faire du bien? Et donc voilà tout ce que ça rapporte à notre pays. Et ça fait que toi qui es l'ivoirien là, tu dis, ah, mais ça fait quoi? Ce que ça fait là, c'est que demain là, toi, quand tu vas vouloir voyager pour aller te soigner, là, on va dire non, non, on a peur des Ivoiriens. Comme de la manière Nigerian Airlines venait. Quand tu te comportes mal, là, le malfaiteur, lui, s'en fout, il n'a rien à perdre. Mais c'est vous, nous, la population, qui subissons les conséquences. Ça fait que les Ivoiriens deviennent détestés. Les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, les gens finissent par vous détester. Demain, toi, ton enfant veut aller étudier quelque part, mais tellement les Ivoiriens, leur passeport fait peur, là. On va dire non, 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 c'est bon comme ça. On a peur de vous. On ne sait pas quel est le vrai ou le faux passeport. Voilà aussi des conséquences. Et donc, n'acceptons pas que les autres détruisent notre vie à notre place. Quand on imagine les efforts diplomatiques abattus par le chef de l'État, quand on imagine les efforts qui ont été faits pour relever la Côte d'Ivoire et sa dignité et la dignité de son peuple, il n'est pas acceptable. Et moi, je suis totalement aligné derrière cette décision du chef de l'État de retirer la confection des passeports à SNEDA et de donner à une société ou un groupe plus sérieux, parce que c'est le manque de sérieux de SNEDA qui nous a conduit à cela, afin de garantir un processus de délivrance des passeports de haute qualité, mais surtout sécurisé. C'est vraiment très important. On ne sait même pas s'il y a des djihadistes qui ont pris ça. Demain, ils peuvent commettre des crimes et ce ne seront pas leurs vraies nationalités qui seront dites. On va dire que ce sont des Ivoiriens. On termine avec le dernier sujet. Salif Keïta, un fléau blanc. Salif Keïta est un albinos, d'où sa couleur crème, bien qu'étant né de parents maliens à la peau bien foncée. De cette anomalie de pigmentation, Salif fera son fonds de commerce. Pas une interview où il ne racontera pas les déboires fondés et infondés liés à sa couleur. De cette victimisation à outrance, il versa peu à peu dans la vénalité. Ses cibles sont les hommes de pouvoir. Il chante Mandjou pour rendre hommage à Feu Sékou Touré, alors président de la République de Guinée. On le verra danser sur une chanson qu'il a dédiée à notre illustre président, le docteur Alassane Ouattara. Il est vrai que le type est doté d'un organe hors norme qui donne cette voix suave, mais mon Dieu, quel ripou! Les rapports de Salif à la Côte d'Ivoire auraient pourtant pu être excellents, car c'est à partir de ce pays qu'il a connu le succès international, surtout en Europe.
notamment à Paris, où il a fait salle comble. À notre avis, Salif Keïta, qu'on pourrait appeler Sal Fou Keïta, n'est pas de ces personnes qui n'oublient pas leurs bienfaiteurs. Sinon, il n'aurait pas intégré l'équipe de la junte d'Assimi Goïta. Et son mutisme face à la prise en otage de nos 49 soldats a fini de nous situer quant à sa moralité. Sal Fou Keïta est un vaurien. Sal Fou, un fou sale, Keïta est un vaurien. La seule langue qu'il comprend vraiment reste le chuchotement des billets de banque. Il a toujours fait étalage de ses belles compagnes. En 2017, il a fait sensation en s'exhibant devant Cheval Blanc, son jet privé, quel esbrouf. Ras des palais, il ratisse large dans la poche des hommes forts du pouvoir, d'où ses accointances assumées avec la junte malienne. Un rat omnivore insatiable, prêt à fricoter avec n'importe quel gouvernement, peu importe qu'il soit démocratique ou autocratique, pourvu que son escarcelle grossisse. Le fléau blanc, étant demeureux dans le mutisme pendant les périodes chaudes relatives aux 49 soldats, se souvient subitement qu'il peut se rendre en Côte d'Ivoire, non pas pour un concert gratuit en vue d'apaiser les relations ivoiro-maliennes, mais au contraire, il lui tarde de venir faire la poche aux mélomanes ivoiriens. Nous, élèves de la classe éclaireur pro-vérité, disons non, non et encore non. Non à un concert de Salif Keïta sur le territoire ivoirien, dans le contexte sécuritaire qui prévaut. Nous nous passerons bien de nous trémousser au rythme de la musique malienne. Nous préférons de loin danser sur un air sénoufo qui a le mérite d'être du terroir. Nous interpellons les autorités sur les risques de ce concert. Quand des pays frères te font des menaces, il serait insensé de les ignorer. Il paraît que nous autres sommes dans l'émotion, mais bien qu'étant frileux, nous avons à cœur la sécurité de notre chère patrie. En plus, les ministres sont plus sécurisés que nos pauvres parents qui n'ont pas les moyens de dormir dans un manoir gardé par des gendarmes. Voyez-vous, chacun voit midi à sa porte. Non au concert de Sal Fou Keïta. Annulez-le. Nous ne voulons pas de ce sale fou ou de ce fou sale de Keïta en Côte d'Ivoire. Annulez-le, ce concert. C'est un texte de Mère Blanc avec quelques petites modifications d'éclaireur pro-vérité. Mesdames et messieurs, nous en avons fini. Nous sommes à la 44e minute, mais supposons que nous sommes déjà à la 45e minute. Tous ceux qui veulent parler, on va s'inscrire dans les 2 heures du temps aujourd'hui. Essayez de vous signaler dès cet instant, on va vous prendre. Donc, jusqu'à la 50e minute, on va recevoir les derniers appelants ou ceux qui voudraient s'exprimer. Donc, en temps, tous ceux qui veulent prendre la parole, faites-le et chacun ou chacune aura 10 minutes pour pouvoir s'exprimer. Le temps de parole aujourd'hui sera de 10 minutes. Et donc, jusqu'à la 50e minute, s'il n'y a pas d'appelant, on va juste se limiter au nombre de personnes que nous aurions. Donc, on commence déjà avec Maman Ouragan qui se signale. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Maman Ouragan. Comment allez-vous? Ça va. Ah, Dieu merci. Et la famille? Ça va. Dieu merci. Que la grâce divine soit. Merci. Ah, okay. Merci pour vérité. Okay. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. D'accord. Okay. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. OK. Couverture maladie. Mm-hmm. Donc, Monsieur Demba, la façon le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, rend la Côte d'Ivoire zo, c'est comme ça les établissements de la santé publique
Les hôpitaux doivent l'être aussi. Vous avez le beurre et l'argent du beurre. D'après M. Koudou Laurent Gbagbo, pendant son règne au pouvoir de la Côte d'Ivoire, il a traité les Ivoiriens et Ivoiriennes de vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc ce n'est pas une insulte de ma part. La Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement à Abidjan. Arrêtez de travailler individuellement, abat le clanisme. C'est le pays, la Côte d'Ivoire, tout de même. Les élections, les votes sont populaires. C'est ce qui vous met au pouvoir. Arrêtez les dons pendant les élections. Ce n'est pas naturel. C'est la corruption. Je m'excuse. Les battants et battantes sont là si vous y mettez de la volonté comme ado la solution. Avec des hommes de poigne, que je citerai quelques noms, comme M. Claude Sailly, M. Laspierre, M. Maris Koudou, M. Soundiata le Conquérant, M. le Roi du Printemps, les militants du RDR et du RHDP qui sont là pour travailler en harmonie. Arrêtez d'amplifier l'augmentation du chômage et la précarité. Donc, c'est pour dire vraiment que les ministres, vous avez été réélus, beaucoup parmi les nouveaux, et mettez-vous ensemble avec le ministre de la Jeunesse. Mettez-vous ensemble avec le ministre de la Jeunesse, avec le ministre de la Salubrité, de l'Enfance, de la Solidarité, avec aussi le ministre de la Famille, comme je dis toujours. Mettez-vous ensemble pour travailler en harmonie. Mettez-vous ensemble pour travailler ensemble. Ne travaillez pas individuellement, parce que le Conseil des ministres, avec le président de la République, vous le faites déjà en global. Mais quand il s'agit maintenant d'aller sur le terrain, il faut que vous vous mettez ensemble pour travailler. Parce que normalement, moi, le président de la République, une doléance, ne cherchez pas à attendre tous les 3 mois ou les 6 mois pour faire le bilan. Il faut que chaque mois, parce que 30 jours, c'est beaucoup dans la vie d'une personne, de nous qui vivons sur cette terre. 30 jours, c'est beaucoup, parce qu'en un seul jour, beaucoup de choses peuvent arriver. Oui, l'émotion. Aujourd'hui, voilà, même en France, les gens, ils ont tous là-bas aussi des pages Facebook. Ils voient sur les réseaux sociaux, les Twitter et autres, ce qui se passe. Voilà M. Karim Benzema aujourd'hui qu'on dit il est pour les frères musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis regarder sur sa page Twitter. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est important les réseaux sociaux. C'est très très important. Même si notre papa Ado dit ouais, qu'il n'est pas trop, il n'est pas réseaux sociaux, mais on sait que c'est pour blaguer, c'est pour rire. Mais il sait tout, il entend tout, il voit tout. Il sait ce qui se passe. C'est les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer en Palestine et puis en Israël, tout ce qui est en train de se passer en Palestine et en Israël, c'est les réseaux sociaux. Comme Éclaireur Pro Vérité l'a dit, c'est la mauvaise désinformation. Et on sait tous que c'est ça. C'est soi-disant vrai d'Ivoirien. Et qui sont en train de mettre le feu en Côte d'Ivoire, comme Maïmouna Camara, comme dit la guêpe, sous le de Paris, Amiral Blindé, Loceni Kibafori, Herman des États-Unis, Djedje quoi là même là? Djedje complet. J'ai mis le. Djedje complet. Ouais, Hervé Djedje. Non, Hervé Djedje. Oui. Hervé okay. Djedje. Afousata Bamba. Il y a une qui s'est fait appeler Nina la soi-disante Lyonne. La Lyonne. Éléonore Kwame. Tout cela. C'est des gens qui mettent le feu en Côte d'Ivoire. Et quand ça, vous les gens de France, quand ça vous atteint, le gouvernement de la France, quand ça vous atteint, tout de suite vous parlez de ça. Mais c'est ce que nous sommes en train de reprocher à la Côte d'Ivoire. On leur dit toujours, même le nouveau ministre des Affaires étrangères, bon, on ne dit plus maintenant ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, on dit maintenant ministre des Affaires étrangères et des Ivoiriens de l'étranger. De l'extérieur. Donc aujourd'hui, vous tous, vous devez mettre la main à la pâte pour détecter, vous savez très bien où se trouvent ces gens-là. Parce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un danger, on vous le dit tous les jours, matin, midi et soir. On ne vous insulte pas. On veut que vous travaillez ensemble. Comme j'ai cité les noms là, ces gens-là, ils peuvent travailler. Et les gens du RDR, puis les gens du RHDP, là, il y a beaucoup qui veulent travailler. Les gens aujourd'hui, ils profitent de la situation. Quand il y a un petit désastre, c'est toujours le président de la République. C'est un père, c'est un grand-père, c'est un arrière-grand-père. Lui aussi, là, il a un cœur. Il n'a pas un cœur en pierre.
C'est un homme sensible aussi. Et raison pour laquelle il vous a remis. Si il vous a remis là, c'est pour que vous puissiez travailler. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas seulement Aboisson qui devait être le bon exemple. Et puis aussi, ce n'est pas Abidjan seulement qui est la Côte d'Ivoire. L'intérieur du pays aussi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour les élections, vous aimez bien aller là-bas pour avoir des voix. Et même en Côte d'Ivoire, il y a des personnes démunies qui sont au fin fond, comme je vous ai dit, des villes éloignées, des quartiers éloignés qui sont précaires. Pourquoi c'est précaire? Ben, c'est parce qu'il y a la guerre. Quand il y a la guerre, ça, les gens rentrent dans la précarité. C'est tout ça là. Donc il faut arrêter vraiment d'encourager ces choses-là. Même si on essaie de faire semblant de dire oui, peut-être que ce n'est pas de leur faute, peut-être qu'ils ne savent pas, mais vous entendez quand même les amiraux blindés, les soules de Paris, la GEP, les membres des États-Unis, les Djedje, Hervé Djedje, tout ça, vous les entendez. Ils font des choses qui c'est du terrorisme, comme je vous ai dit, c'est du terrorisme, il n'y a rien à dire, c'est du terrorisme. Si vous savez très bien que c'est du terrorisme. Et le carré propriété l'a dit, quand ça va commencer là, vous êtes déjà casé, vous êtes déjà situé, vous savez où vous allez partir. Et vous voyez des gens qui mettent le feu, ministre de la Communication, je t'en supplie. Monsieur le ministre de la Communication, s'il te plaît, il faut faire la communication. Il faut faire la communication. Il faut que vous fassiez des reportages dans les hôpitaux. Il faut que vous fassiez des reportages même dans l'administration. Parce qu'il y a des gens qui savent faire. Parce que ici en Europe, vous venez en Europe, si vos enfants sont en Europe, si vos parents sont en Europe ici, il ne faut pas, on va se mentir. Ils savent comment tout se passe ici. En Côte d'Ivoire là-bas, je sais que je ne crois pas pour l'Afrique, mais en Côte d'Ivoire, quand les gens doivent aller faire des documents administratifs, normalement, il faut avoir une liste. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une connaissance aujourd'hui qui m'a dit qu'elle est en train de faire des documents. Aujourd'hui, on lui dit qu'il faut envoyer 100 francs suisses qui fait 60 000 francs. Il faut envoyer ça parce qu'il y a tel papier à signer. Après, deux jours après, on lui dit non, il y a un autre papier à faire, il faut envoyer 250 francs. Donc, vous voyez tout ça là. L'administration, si vous encouragez les gens à faire du comment on dit, j'ai dit le nom tout à l'heure. La corruption. Oh merde. La corruption. Si, c'est vous qui poussez les gens à faire la corruption. Parce que si normalement, entre nous, si normalement, vous dites que vous avez fait les études dans l'administration, maman Oloto, je pense que c'est vous qui êtes dans l'administration. Si jamais dans l'administration, vraiment, les gens étaient honnêtes là, ils allaient faire une liste de ce qu'ils demandent comme document. Mais c'est clair qu'il y a des Africains, des Ivoiriens, on va leur donner ça, ils vont commencer à pleurer pour dire, hey, mon Dieu, où je vais enlever ça. Mais c'est ça, c'est vous qui poussez en fait les gens à faire la corruption. Parce que quand ils vont vous donner 5 phrases, c'est-à-dire que dans la liste là, il y a au moins 10 lignes, hein, de 1 à 10, ils vous disent que c'est ce que vous allez fournir. Ah mon frère, moi je n'ai pas assez d'argent pour fournir tout ce que tu as demandé. Il va dire, bon, si tu veux là, moi je vais faire, mais donne-moi telle somme. C'est vous la population là. C'est vous-même vos propres ennemis. Vous cherchez loin, mais en réalité, c'est vous les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous faites semblant de critiquer quand les gens sont au pouvoir. Mais quand vous allez venir, vous étiez au pouvoir. Il y a vous deux là. PDCI et puis FPI, là, vous avez été au pouvoir, on a vu le résultat. Donc, il y a des gens là, quand ils savent qu'ils ont besoin de voix, il faut croire aux gens que oui, ils sont avec eux. Mais pendant ce temps, quand ils sont au pouvoir, maintenant, ils font rien du tout. Et quand est-ce que les Ivoiriens, vous, surtout les Ivoiriens là, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Il faut vous réveiller, ne dormez pas, je vous en prie. Parce que les gens, c'est l'arnaque en fait. La politique là, c'est de l'arnaque. Quand ils sont opposants, ils ont toutes les solutions. Oui, ils ont toutes les solutions. Mais dès qu'ils sont au pouvoir, non, c'est là, oui, ah ben voilà, il faut réfléchir, il faut faire ça. Ils vous embrouillent, ils vous embêtent. Donc, de grâce, l'administration, je vous en prie. Quand vous savez qu'il y a des documents, les gens doivent donner là, laissez-les, ils vont aller faire les documents. Et puis, quand ils font les documents là, il faut dire la somme précise, les gens vont le faire. Il faut dire ça, donne maman au loto. Si c'est votre responsabilité, là, je vous en prie, il faut fouiller aussi de ce côté-là. Parce que les gens continuent de faire la corruption. Parce que ça, même si tu dis que tu vas filmer ou bien tu vas essayer d'attraper la personne, mais ça ne va jamais finir. Parce que s'il y a des Libanais aujourd'hui qui sont en train de frauder nos passeports, s'il y a des Nigériens, s'il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, si ces gens-là, s'ils sont en train de frauder nos passeports, mais ça va jamais finir. Parce que les gens, malgré que tout cet argent de corruption qu'ils prennent là, c'est pas pour faire les bonnes choses, hein. C'est pour aller dans les restaurants, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, c'est pour s'acheter des vêtements. Et puis c'est des gens quand ils se lèvent, oui, non, on souffre, c'est parce qu'on n'est pas bien payé, alors que c'est faux. Si vous savez qu'à 8h, vous devez être au bureau là, quand vous faites votre travail normalement là, parce que c'était avant là, vous mettez les placards sur les tables des bureaux là. On voyait les bureaux de surtout où tu vas faire les passeports là. C'est de, mais, le, papa Ado, je t'en supplie.
L'immeuble là, il faut détruire ça pour que le nouveau immeuble que vous êtes en train de faire là, eux tous l'administration vont partir là-bas, vous allez casser ça et puis vous allez refaire. Parce que c'est tellement sale, c'est tellement dégueulasse là-bas aussi. Là, c'est Dieu seul qui sait. C'est sale comme c'est sale. C'est vraiment sale. Donc, papa, donc, je t'en supplie. Il faut que vous voyez ce côté-là aussi. Donc, je pense que j'ai fait mes 10 minutes, mon écrayeur pour vérité. Effectivement. Vous avez fait 10 minutes, 7 secondes, 26 centièmes. Et vraiment, merci d'être resté dans le temps. Et vous avez été tellement efficace dans ce que vous avez dit. Et vous avez donné des solutions. Et en même temps, ce que vous avez critiqué, vous avez directement touché là où il fallait. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que nous pouvons faire, à la différence des terroristes des réseaux sociaux. Nous, on va continuer à dire la vérité. Ça peut blesser, mais c'est mieux que ceux qui terrorisent nos populations, qui conduisent nos populations dans les flammes des enfers. Continuons à le faire. Ce sera notre contribution pour notre patrie. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. De rien, okay. Mon frère. Vous passez une excellente journée. Coucou, mon chéri Cyclone là-bas. Coucou à toi. Mais une femme ne peut pas avoir deux maris. Hein. Donc, merci beaucoup, mon éclair. Il n'y a pas de problème. Vous êtes mon mari, mm-hmm. Mais je ne sais pas de quel côté de mon corps que je vais dire. Mais Cyclone, c'est maman Cyclone. Lui, il a déjà donné le nom. Cyclone, c'est mari de nuit. Il n'est pas dans le monde réel. Merci mon éclaireur. Je vous en prie, bien des choses à toute la famille. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Et tous ceux qui ont émis les appels, vous serez pris. Vous n'avez point à vous inquiéter. Laissez-nous le temps. Selon que ceux qui ont appelé en premier, on va essayer de donner la parole aux uns et aux autres. Allô? Bonjour le grand maître. Oui, bonjour frère. Comment vas-tu? Je vais très bien, vous-même? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, okay. Vous avez la parole. Ok, moi je voulais poser quelques questions qui me fatiguent un peu. Mm-hmm. C'était par rapport au nouveau gouvernement, vous avez beaucoup parlé là-dessus. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de nos frères qui ne comprennent pas. Et pourquoi Patrick Hachi a été remplacé. Mmh. Okay, donc c'était pas... La question est de savoir pourquoi le Premier ministre a été remplacé. Oui, parce que certains estiment qu'il faisait du bon boulot. Mmh. Mais qui est le chef du gouvernement? C'est-à-dire que qui porte la responsabilité de tout le travail que les différents gouvernements font? C'est le président de la République. Okay. Si le président de la République dit qu'il n'est pas satisfait de la vitesse à laquelle les choses vont là, donc il n'a qu'à laisser ça. Dans le conseil des ministres du 18, là, il dit « Je veux que le travail soit fait avec célérité et diligence. » En français, ça veut dire « Je veux que le travail n'a qu'à être fait vite et puis bien fait. » C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que le travail n'était pas bien fait et vite fait. Exemple, le stade de Bimpe n'a pas été bien fait. Exemple, le cinquième pont que tu vois là, vers la fin, on a encore payé de l'argent et tout a été retardé. Comment dans un pays normal, tu peux comprendre que le cinquième pont est donné avant le quatrième pont? Quand on était au CPN, là, on a commencé à compter des zéros là. 1, 2, 3, 4. On n'a jamais dit 1, 2, 3, 5, 4. Ce sont des choses, on saute dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Et à un certain moment, le chef de l'État était plus que patient. Il y a des objectifs qu'on aurait dû atteindre depuis 2020 qui n'ont pas été atteints. Et lui, en tant que le chef du gouvernement... Est-ce qu'on veut qu'il assume les conséquences pour qu'on dise Demet n'a pas réussi? Demet, quand on va vouloir vérifier, on ne va pas vérifier pour savoir qui était Premier ministre, on dira qui était le président. Et un président qui s'assume comme le président Ouattara, il sait prendre les bonnes décisions au moment qu'il faut. Et si Demet il atteignait les objectifs, ces mêmes personnes qui sont en train de dire que l'autre était bon, c'est leur choix, c'est leur manière de voir. Mais celui qui l'a nommé là, sait véritablement s'il a été bon ou pas. Et c'est ce qui a conduit à ce changement-là. D'accord. Mmh. Ok, donc non. Moi, je comprends ce que vous dites. Mmh. Donc, si on comprend bien, ça veut dire que le boulot n'était pas bien fait. Le boulot n'était pas fait à la satisfaction du président de la République et n'était pas fait en fonction des efforts que lui, Alassane Ouattara, a mis.
quand tu dois faire un travail là, la seule chose qui peut te manquer là, ce sont les moyens. Mais quand déjà tu as mis tous les moyens en place que le travail n'avance pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Et ça, tu dois être capable de régler ces problèmes-là pour que les moyens que tu as dégagés pour que le travail se fasse, le travail soit fait comme tu l'exiges aussi. Et ça, ça s'appelle la responsabilité. Si le président n'agissait pas ainsi, il aurait agi en tant qu'un homme irresponsable. D'accord. Ok. C'est bien. Il faut que nos militants comprennent ça. Mm-hmm. Maintenant, ma deuxième question. Il y a des militants aussi qui se posent la question. Il y a un individu qu'on appelle Steve Biko, sur la toile, un insulté public, un gore, qui a fait une vidéo. J'ai vu la vidéo passer sur une plateforme là, où il dit dans la vidéo qu'il a un ami russe qui l'a informé que Guillaume Soro est au niveau actuellement de la Russie et il est en train de travailler en Russie pour le renversement du pouvoir du président Hassan Ouattara et que de la même manière, le président Hassan Ouattara est en train de recruter les gars de PPHCE autour du président Hassan Ouattara. C'est de la même manière là que le président Gbagbo aussi a recruté Guillaume Soro pour faire le travail et que Soro vient se racheter. Donc, ce genre de discours, souvent, ça envoie, quand j'ai lu le commentaire, des militants sont inquiets. Voilà pourquoi je vous pose la question, afin que vous puissiez nous dire si vous en savez quelque chose ou bien est-ce que c'est de la simple propagande. Les militants ne devraient pas être inquiets. Tout dépend de là où on s'informe et des objectifs qu'on veut. Voyez-vous, quand tu as besoin d'informations, tu vas t'informer là où il faut et tu viens poser des questions plutôt que de rester dans ton coin et d'être inquiet. Depuis que tu suis Steve Biko là, ou bien que les gens qui le suivent là, il a dit quoi qui a changé quelque chose dans leur vie? C'est-à-dire, quand tu écoutes quelqu'un là, toi-même, il faut se dire, bon, le gars que j'ai écouté là, depuis que je suis, même si aujourd'hui je n'ai rien eu là, mais souvent là, ce qu'il dit là, ça apporte des choses. Dans moi-même, ma vie. Il ne faut même pas prendre pour les autres. Ce qu'il a dit là, dans leur monde, c'est une vérité. Parce que quelqu'un peut dire son souhait. Avant que lui ne vienne nous dire ça là, nous on sait que Awadon Melo est là-bas, il fait le travail de Gbagbo contre Alassane Ouattara. Nous on sait ça. Mais comme c'est des gens qui ne peuvent pas s'assumer, et donc ils vont toujours trouver des petits moyens pour tourner à côté. Mais nous on leur dit là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller prendre la Russie, ils n'ont qu'à aller prendre la Corée du Nord. Nous aussi, on va aller prendre les États-Unis. Nous aussi, on va aller prendre l'OTAN. Et puis, on va venir faire guerre mondiale. Là. Est-ce que tu me comprends bien? Oui, je comprends. Si c'était que nous aussi, on n'a pas d'alliés, là, c'est là qu'on pourrait avoir peur. Mais nous aussi, là, on a des alliés, pas des moindres. On a tout l'OTAN derrière nous. On a les États-Unis derrière nous. Et on a le monde libre derrière nous. Et donc, je ne vois pas pourquoi on va s'inquiéter, surtout qu'on a le président le plus intelligent de l'Afrique. Sinon, l'un des présidents les plus puissants du monde. De quoi est-ce qu'on a peur? Aujourd'hui, là, tout ce qu'ils essayent de faire, là, allez leur demander le 25 septembre, là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos services de renseignement sont des plus efficaces. Il y a des terroristes qui ont arrêté des gens en Côte d'Ivoire et au Mali. C'est nous, nos services de renseignement, là, qui ont dit, bon, les gens, là, se trouvent dans telle zone. Et puis les Français sont allés les libérer. Est-ce que tu me comprends bien? Voilà. Ce qu'ils sont en train de dire, là, peut-être qu'ils informent les gars du monde parallèle. Mais ce qu'eux font là, quand ils imaginent là, nous on sait. Donc, chers frères, ne vous inquiétez même pas. Chacun a la liberté de dire ce que sa bouche lui veut dire. Mais cela ne fait pas que ce que j'ai dit peut être une vérité. Et donc, laissez-leur se consoler. La vraie réalité de la Côte d'Ivoire, là, on a un chef d'État qui s'appelle Alassane Ouattara qui a dit que le désordre ne va pas prospérer. Et il a prouvé chaque jour. Voilà. Ok, merci beaucoup, c'était mes questions. Il n'y a pas de problème. Donc, soyons sereins, c'est eux qui sont perdus. Et donc, même si Soro Guillaume ne veut pas aller travailler en Corée du Nord, c'est lui qui souffre. Sinon, ceux qui font la vraie politique là sont en Côte d'Ivoire. Donc, n'ayez point de crainte, soyons sereins et puis continuons à aider le pays, c'est le plus important. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous-même et on vous souhaite une excellente soirée. Merci. Ok.
Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir le grand maître, comment allez-vous? Ça va, mon grand éclaireur? Oui, ça va très bien chez vous-même. Ah, ça va. Dieu merci. Donc, on vous laisse. Moi, je suis éclaireur pour vérité. Hein. Je vous ai dit que je ne suis pas RHDP. Non, mais on est avec le président. C'est le président qui nous détient. Il y a trop de crapes dans votre parti politique là. C'est pas facile, ça c'est vrai. Mais tant que le président est là, on va maintenir le cap. Mais être des crabes n'est même pas mauvais, mais avec un tel degré de nullité, c'est grave. C'est ça aussi la vie, hein. Il faut un peu de tout, et tout n'est pas toujours bon, mais on essaye d'évoluer. Vraiment, je salue tout le monde, je salue ma maman, hein. Maman Blanc, je salue Cyclone surtout, avec le grand frère Kone Adama, avec Touré. Je salue tous les élèves de la classe. Aujourd'hui, bon, j'ai écouté votre exposé. Mais moi, j'ai un ras-le-bol au niveau du ministère de la Justice et puis le ministre de l'Agriculture, M. Adoumani. Voilà. Pourquoi le ministre de l'Agriculture? Parce que je trouve inadmissible. On sait très bien que M. Henri Konabédé a commis des erreurs où il a détruit tous nos différents instituts ou les sociétés agricoles en Côte d'Ivoire. Tel qu'on avait le Sodiro qui était à Odiné, qui a été détruit en 97 par M. Henri Konabédié pour quand même laisser place au riz importé venant de l'Inde, du Pakistan. Mais on ne dira pas que depuis l'arrivée du président de la République, s'il y avait une détermination farouche, on aurait vraiment déjà trouvé une solution à ça. Et c'est ce qui fait mal. C'est qu'aucun de ces ministres-là n'est capable de se déterminer, d'envoyer des projets normaux pour quand même essayer de vraiment faire la différence. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous là dans leur petit coin en train de chanter dans notre oreille tous les jours que non, nous sommes là pour la vision du président de la République. Mais oui, cette vision-là, pour qu'elle soit améliorée, il faudrait que vous soyez des gens vraiment capables. Mais on ne le voit pas. On aimerait vraiment voir M. Adjumani vraiment envoyer un vrai projet pour quand même booster la production vivrière en Côte d'Ivoire. Parce que c'est inadmissible qu'on vienne s'asseoir devant le monde entier pour dire que nous avons fait, pendant qu'on a les terres arabes même qui est en train de nous chasser dans notre propre pays. C'est une honte qui ne peut même pas être expliquée. Pourquoi je le dis que c'est une honte qui ne peut pas être expliquée? Je les vois tous les jours qui sont en train de crier. Oui, on parle de l'emploi jeune. Mais même en Europe, quand tu cultives la terre en Europe, ça veut dire que tu es riche. On a tous les moyens de pouvoir amener ces jeunes-là aujourd'hui à la terre. Il suffit de valoriser les différentes cultures que ces jeunes-là vont faire. Il suffit de mettre des coopératives en place. Et lorsque les jeunes que ces coopératives vont employer, que ces jeunes-là soient déclarés à la CNPS et puis avoir un salaire normal qui peut leur permettre de subvenir à leurs besoins. Ben, les jeunes vont travailler. Vous criez tous les jours emploi jeune, mais il n'y a aucun acte réel. Tu donnes de l'argent à un Africain. Si tu veux, il faut lui donner 10 millions. Dans ces 10 millions-là, il va aller dépenser 6 millions aux femmes. Et ces autres 4 millions, il va aller faire quelque chose de banal et il va venir s'asseoir. Ça ne va absolument rien donner. Mais si vous refusez d'envoyer les initiatives réelles pour pouvoir amener ces jeunes-là à valoriser la terre, ben je ne sais pas comment ils comptent vraiment employer ces jeunes-là en Côte d'Ivoire. Peut-être s'ils pensent qu'il y a une entreprise, même une entreprise, l'entreprise ne va pas aller ramasser les chauffeurs de bar ou les chauffeurs de taxi pour venir mettre dans son entreprise. Quand quelqu'un crée son entreprise de façon privée, il a un objectif qu'il veut atteindre. Vraiment, il faudrait que M. Adjumani et puis Mamadou Touré, qu'ils essayent de bouger un peu, d'essayer de faire de la créativité pour pouvoir faire bouger les choses. Pas s'asseoir tous les jours pour vraiment râler dans notre oreille et en pensant que c'est quelque chose de formidable qu'ils sont en train de faire. Vraiment, c'est mon ras-le-bol vis-à-vis du ministre de l'Agriculture avec M. Mamadou Touré. Ça ne sert à rien de finir de former ces enfants-là et puis les laisser. Essayer de les amener à l'agriculture. La culture vivrière aujourd'hui, elle peut nourrir son monde. Même que tu sois en Europe ou en Afrique aujourd'hui, c'est la chose la plus chère aujourd'hui. Donc, essayer de créer quelque chose pour pouvoir nous donner.
au niveau du ministère de la Justice. Monsieur Éclairel, depuis 2014, on nous a montré un bâtiment à Bobo là-bas qu'on est en train de construire le bâtiment du tribunal d'Abobo. Mm-hmm. Et malheureusement, la dame qui avait ce chantier-là, je sais que la dame, elle est décédée. Elle est décédée en 2022. Et aujourd'hui, on ne voit pas d'avancement. De 2014 jusqu'en 2023, on nous dirait qu'on est en train de construire le tribunal d'Abobo et ce tribunal-là n'est pas encore fini. Sincèrement, ce ministre de la Justice-là, il n'apportera rien à la Côte d'Ivoire. Et je le dis, toute nation où la justice est sélective, cette nation doit mettre dans sa tête qu'elle ne connaît, elle ne connaîtra pas ni le développement, ni le progrès et ni la paix. Il faudrait que la loi soit équitable. Et pour que cette loi soit équitable, elle doit être pareille pour tout le monde. Pareil pour les politiciens, pareil pour les citoyens ordinaires. On aimerait voir vraiment si le ministre de la justice existe en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à nous dire où se trouve aujourd'hui le tribunal d'Abobo. On veut voir clair dans ce problème-là. Et vraiment, je salue tout le monde et c'était mon rôle bon ce soir. Et vraiment, bonne soirée. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, j'allais m'apesantir sur les trois cas que tu as évoqués. D'abord, le ministre de l'Agriculture, il faut dire que beaucoup a attendu. Et si vous avez remarqué, le chef de l'État même les a pris par leur nom. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, là, en termes de solutions, là, on peut mobiliser des jeunes gens, prendre des grands centres, faire de la production intensive. Et on leur dit, écoutez, pour un début, non seulement on vous forme, mais on vous paye 50 000 chaque fin de mois. Et on prend assez de machines, on les met là, on les forme, et en même temps, on produit des aliments sur une échelle. Il faut vraiment donner envie aux gens même d'aller à la terre. Il ne suffit pas de dire aller à la terre avec une daba et puis une machette et puis des brouettes. Ça ne peut même pas. Même s'ils ont la volonté, ça ne peut pas. Le ministère de la Jeunesse, il faut dire que vraiment, il y a des améliorations. Mais comme nous ne sommes pas dans un monde parfait, on va toujours leur demander de continuer à améliorer ce secteur-là et aussi d'avoir des idées créatives, comme tu l'as dit, en termes de création des emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il faut essayer, en même temps que ces jeunes-là finissent, de les suivre en même temps pour que leur formation soit suivie réellement du travail sur le terrain. Ça aussi, c'est très important. Et en ce qui concerne la justice, on l'a toujours dit, hein, on ne cessera jamais de le dire, c'est un domaine que nous ne sentons pas dans la vie ivoirienne. Ce n'est pas la construction du tribunal pour moi qui est le problème, c'est le fait même de sentir la justice se manifester qui est le problème. Voyez-vous, combien de personnes font des choses pas normales dans le pays, que ce soit les politiciens, les hommes ordinaires, mais on passe dessus. Par exemple, Peter 007 qui a été libéré. Il a été libéré. Pourquoi il a été arrêté? Dans quel contexte il a été libéré? On ne nous dit absolument rien. Quand c'est comme ça, comment vous voulez que nous autres, on se sente? On ne comprend rien. Donc finalement, est-ce que ça ne nous amène pas à dire soit c'est la justice qui est défaillante, ou bien on nous cache quelque chose? Peut-être que Peter n'a rien fait, alors que lui-même, il a fait des aveux qui sont plus que suffisantes en face de la justice. On aurait dû le juger, lui donner son verdict devant tous les Ivoiriens. Et donc la justice ivoirienne, non seulement elle ne fonctionne pas, mais elle évolue dans un flou qui va être très fatal pour le pays. Parce qu'à force de faire ces erreurs-là, les coupables et les malfaiteurs vont dire « Mais vous avez eu plus de 13 ans pour nous juger, vous nous avez mis en prison, vous ne nous avez jamais jugés, vous n'avez jamais plus le temps de dire quelque chose aux Ivoiriens, c'est que c'est à vous que revient toute la faute. » Et donc faisons beaucoup attention, il faudrait que ce secteur-là se réveille. On a critiqué, mais ce ministre-là, il a la peau dure. Et peut-être que, je ne sais pas de quoi, sur quoi il compte, mais il est toujours là. Et on attend de voir ce que demain nous réserve. C'est ce que je pouvais dire. Bravo. Merci beaucoup, éclaireur. Bonne continuation d'émission. Donc, je reste à l'écoute. Merci également à vous et bon début de week-end. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh.
Oui, bonjour, chère mère. Bonjour, cher frère. Comment vas-tu? Je vais excellemment bien. Vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et vraiment, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Et je dis bonjour. Je te dis bonjour, bonjour à toute la classe EPV. Hier, le sujet dont je vais parler aujourd'hui, j'étais très contente de t'avoir mis en premier sujet. Et hier, je n'avais pas pu parler parce que ici, nous avions perdu un frère de la Côte d'Ivoire, un frère de Daloa, et j'étais à sa prière mortière. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas pu intervenir hier. Effectivement. OK. Je vais dire le premier sujet, les réseaux sociaux. J'avais tellement mal. J'écoutais un jeune blogueur qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Et qui se plaignait disant qu'il a déposé ce dossier pour qu'on le finance et qu'il n'a pas été financé. Et les paroles qu'il lançait vraiment m'ont tellement touché au cœur. Parce que je me suis dit qu'on cherche à soigner une jeunesse. Maintenant, si ceux de l'Occident même viennent envenimeux, c'est vraiment pas acceptable, quoi. Tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire, être venu de l'étranger. Tu es venu en Côte d'Ivoire que tu veux implanter un projet, tout, et que ton projet n'a pas été financé encore, ou bien je ne sais pas quoi dire. Mais je ne sais pas si vraiment il a reçu toutes ces infos avant de venir faire ce genre de direct. Je dis que c'est pas normal, quoi. Les réseaux sociaux, là, il faut que le gouvernement les différents ministères fassent très attention aux réseaux sociaux. Parce que ce sont les réseaux sociaux qui aujourd'hui peuvent semer le feu dans un pays, hein, qui sèment même le feu. La communication de Soro Guillaume, la communication de Soro Guillaume a pris de l'ampleur à cause de quoi? Ce ne sont pas les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas vous et ces différents activistes, militants qui sortent pour parler, pour lutter pour le RHDP, là, s'il n'y avait pas vous aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire? Et n'oubliez pas que c'est la jeunesse qui prend le coup tous les jours. Les enfants qui sont nés de 90 jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas, c'est du n'importe quoi qu'on a connu. Depuis l'arrivée de Gbagbo, c'est du n'importe quoi qu'on a connu. Donc ça me fait mal de voir que quelqu'un qui est quitté en Occident et qui vient dire aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens, que prendre la mer est mieux que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça parce qu'il est à l'étranger. Il sait très bien comment ça se passe à l'étranger. Tu dis que la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, c'est mieux d'aller mourir à la mer que de rester en Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Si tu ne connais pas quelqu'un, si tu n'as pas de bras longs, tes projets ne sont pas financés. Et vraiment, le ministère de l'Emploi des jeunes, ce n'est pas de la jeunesse là. Ayez des gens pour défendre votre ministère ou bien pour expliquer comment ça se passe dans vos ministères. Parce que un homme comme ça, qui est écouté depuis l'Europe, il est rentré en Côte d'Ivoire et il est en train d'appeler la jeunesse à la révolte, d'appeler la jeunesse à la haine. Surtout la partie qui m'a fait plus matin, il dit la Côte d'Ivoire est trop chère. Où lui les quitter là, c'est moins cher. Où lui les quitter là, c'est moins cher. Donc quand je vois des trucs comme ça, ça me fait mal au cœur. Donc il faut que vraiment, il dit lui, que le financement des projets là, qu'il faut des bras longs, il faut faire magouille, il faut gratter les murs et autres pour qu'on puisse te financer. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, puisque moi je ne suis pas là-bas. Maintenant, dites-nous, quelles sont les priorités dans ces milliards que le président a dit là? On ne sait pas, parce que pour moi, je me dis que ceux qui sont autochtones du pays, ceux qui vivent en Afrique, doivent être les premiers d'abord, ou bien je m'en éclaire. Effectivement. Donc, si on n'expliquait pas ça pour nous dire que c'est pour ceux qui sont au pays d'abord, là. C'est ça, un homme comme ça vient s'asseoir pour dire oui, à la jeunesse, non, on te dit que tu n'as pas de bras, non, on ne te finance pas. Mais il y a des critères. Il y a des critères qui sont là-bas. Mais il ne faut pas venir t'asseoir pour chercher à révolter notre jeunesse. Notre jeunesse, on est en train de chercher à soigner. Vous venez, vous, des gens qui avaient de la notoriété sur les réseaux, vous venez maintenant pour parler comme ça à ces jeunes. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont penser? Surtout cette jeunesse même de la Côte d'Ivoire qui est un peu paresseuse là. Parce qu'elles se disent qu'il faut forcément travailler dans un bureau pour être reconnu que vraiment j'ai un boulot. Vous ne pouvez pas créer des trucs. Il y a tellement de choses en Afrique. Il y a tellement à faire en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on vous donne l'opportunité d'aller monter des dossiers et de venir, d'aller monter des entreprises et de venir pour être financé. Si vous n'arrivez pas à le faire, maintenant, vous, en Occident, quand vous avez entendu qu'on vient 1 milliard par jour, vous avez vos projets, vous créez, vous courez, vous partez en Côte d'Ivoire, vous voulez qu'on finance en même temps. Comment ça peut se passer? Et ceux qui sont là-bas, qui vivent là, elles sont prioritaires. Peut-être que ton dossier a été pris et puis déposé à côté parce que toi, tu viens de l'Occident, toi, tu as les moyens, puisque tu dis que l'Occident est bien là-bas.
Pourquoi tu vas rester à ton entreprise là-bas? Tu dis encore qu'il va venir m'aider les jeunes gens, pourquoi? Franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout aimé. Et moi, je vais dire à mon ministère. Eh Dieu. J'ai dit, si moi, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Si moi, mon frère est nommé dans le gouvernement, là, moi-même, là, je serai son œil sur les réseaux sociaux. C'est pas, je dis, je n'arrive pas à comprendre. Ces messieurs ont des parents. Mais je ne sais pas, ou bien vous ne pouvez pas employer quelqu'un, employer des jeunes pour défendre mon ministère. Parce que regarde comment ce jeune est venu parler. Moi, j'ai vu qu'il voulait salir l'image de M. Mamadou Touré. Salir, je ne connais pas si c'est le même qui est le ministre de l'Emploi ou pas, mais salir l'image du ministère de l'Emploi. C'est pas gentil. Et c'est des gens qui sont quittés en Occident. Donc, ils sont écoutés par du n'importe quoi. Jeunes Ivoiriens, ne l'écoutez pas. Montez vos projets, allez-y. Vous êtes Ivoiriens. Vous vivez en Côte d'Ivoire. Vous avez des cartes d'identité. Vous pouvez prouver combien de temps vous êtes sur le territoire ivoirien. Allez-y. Ne l'écoutez pas. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes en Europe, vous avez les moyens, vous montez des trucs, vous venez arrêter, vous financer. Enfin, il y a des gens qui vivent en Côte d'Ivoire là-bas, qu'on n'a même pas continué de financer. Franchement, je ne sais pas, mais au ministère, aux différents ministères, franchement, par les réseaux sociaux, c'est devenu un outil vraiment, je ne sais pas. Donc, prenez garde. Cherchez ou bien employez votre propre famille pour se promener sur les réseaux, pour savoir vos failles dans vos ministères. Parce qu'avec ce genre de personnes, je ne crois pas qu'on pourra s'en sortir. Alors 2025 est juste à la fois. S'il est venu pour je ne sais pas si, quel projet il est venu pour, je ne sais pas, mais pourquoi il va venir mélanger nos jeunes en Côte d'Ivoire. Franchement. Éclairé, merci. Comme le temps est long, je vais écouter. Okay. Merci beaucoup. Ok. Chère mère, c'est nous qui vous disons merci. Et à vous écouter, moi je n'ai pas suivi la vidéo. Mais j'aimerais vous dire ceci. Voyez-vous, si vous devez réaliser un projet en Côte d'Ivoire, avec l'expérience que vous avez ici, là, c'est sur l'argent de l'emploi jeune que vous allez compter, ou bien c'est sur ce que vous allez générer ici? Vraiment, c'est ce que j'ai généré ici. Ok. Donc, quelqu'un qui dit que lui, il veut aller s'accaparer de l'argent de l'emploi jeune, alors qu'il a fait plusieurs années en Occident, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'échec d'abord en Occident. Et donc là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui aura pour mission de plébisciter cet échec que sa vie est. Ça, c'est un. De deux, il a parlé, moi je n'ai pas suivi, j'ai dit ça. Cher, mais vous avez suivi la vidéo, non? Oui. Est-ce qu'il a donné les preuves à l'appui? Non. Est-ce qu'il a dit, voilà le numéro de mon dossier? Non. Est-ce qu'il a dit, voilà le projet que j'avais concocté là, voilà le tel projet. C'était sur Elevage, c'était sur Tata, mais c'était... Il a dit ça. Il a seulement dit que j'ai tous mes documents ici. Ok. Voilà tout le monde peut dire ça. Moi, je peux vous dire à l'instant que j'ai monté un projet. Merci. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai monté un projet? Oui. Parce que devant un homme intelligent comme moi, éclaireur pro-vérité, je vais lui dire, ton projet que tu as monté et puis tu as déposé là, chaque personne qui va déposer son projet au ministère de l'Emploi jeune, là, on lui donne un numéro de référence. Qu'il nous donne son numéro de référence, là, on va voir s'il a monté un projet ou pas. Et donc, quand il est incapable de montrer ne serait-ce que le numéro de référence, là, je vous dis que c'est un faux. Ce sont des agents de l'opposition pour venir salir la Côte d'Ivoire, pas seulement que le ministre Mamadou, mais pour salir même toute la Côte d'Ivoire. Parce que de là, il bifurque pour dire que la vie est chère. Et mais qu'est-ce qui dit que la vie est chère en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si ce n'est pas les opposants? Mais même nous, les RHDP, là, nous, on est sortis ici pour critiquer durement le régime quand ils ont augmenté le courant, quand ils ont voulu augmenter Internet. Si la vie était moins chère pour nous, là, on n'allait pas sortir pour critiquer le gouvernement. Chère mère, quand quelqu'un est dans un projet funeste, là, ça saute à l'œil. Sinon, si tu as déposé un projet, là, tu dis, bon, voilà, moi, je suis temps. Voilà le numéro de projet. Quand j'ai déposé, voilà le numéro de référence qu'on m'a donné. C'est nous autres, là. J'allais te demander là, bon, il faut m'envoyer la vidéo là, j'allais prendre le numéro là, et puis j'allais aller me renseigner. Mais il n'a rien déposé, je vous le dis. Et ce n'est pas le premier, il y a plein qui m'appellent. Est-ce que la semaine passée, je n'ai pas dit ici qu'il y a quelqu'un qui a reçu 31 millions? Mais il fut un temps où on disait que les gens ne recevaient pas. Parce que dans la ville, il ne faut pas être malhonnête pour être malhonnête, parce que ça n'amène nulle part. Il y a eu beaucoup de changements. Ils ont profité des critiques pour s'améliorer. Nous-mêmes qui vous parlons là, il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué Emploi Jeune que nous. Jusqu'à nous, on allait s'asseoir avec eux pour discuter. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui peut critiquer ce secteur-là mieux que nous. Parce qu'on s'est engagé à les aider à s'améliorer. Mais les résultats sont là. J'ai même posté le monsieur qui a fait son industrie de ferronnerie.
Mais c'est un exemple pour dire que ceux qui veulent là, peuvent. Si tu montes un projet bidon qui ne tient pas, on ne va pas te donner notre argent. Parce que tu as échoué en Europe, tu veux venir reprendre l'argent. Et tu vois, il y a de l'incohérence. Il dit non, il faut partir en Europe. Mais quand tu vas partir en Europe, là, sur l'eau, là, tu prends quoi pour partir? Ce n'est pas l'argent. Et donc, lui-même, là, son subconscient le trahit. C'est le genre d'individu, quand tu lui donnes l'argent, là, il va fuir pour revenir en Europe. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas eu l'argent. Et donc, ceux qui pensent que l'argent, là, ça y est là-bas, et puis on va distribuer, j'ai même vu certains dire non, donnez l'argent, on va bouffer. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce n'est pas comme ça. Les choses ont été beaucoup améliorées. L'argent, on ne donne pas n'importe comment aussi. Il faut que tu donnes aussi des garanties au-delà même de ton projet qui soit viable et qui soit tenable. Et donc, le temps de l'amusement, il est terminé. Si M. Mamadou Touré s'amuse à distribuer de l'argent, mais lui-même, là, il va payer sa cash. On va mettre notre main dans sa poche pour retirer l'argent, là. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, ça ne se donne plus comme les erreurs qui ont été faites dans le passé. Et ça, il faudrait que les uns et les autres retiennent cela. Et donc, il peut continuer son agenda de dire que la vie est chère. Mais la vie n'est pas chère pour une seule personne. Aujourd'hui même, là, vous et moi même, là, on sait combien de fois la vie est chère en Occident. Les gens peuvent nous croire ou ne pas nous croire. Mais la réalité est que si tu ne veux rien faire et que tu veux passer par les raccourcis, la vie va être toujours dure pour toi. Et donc, il faut travailler. C'est mieux que d'être sur les réseaux sociaux à jaser. Et donc, c'est dans l'ordre normal des opposants de crier pour dire du mensonge. Mais pour attraper quelqu'un dans son mensonge, c'est simple. Une ou deux questions suffisent. Il a parlé là-haut. Il n'a qu'à donner un numéro de référence. On va vérifier. S'il y a des gens qui le connaissent là, dites-lui le numéro de référence qu'il a là. Il n'a qu'à donner ça. C'est tout. Tout ce qu'il entend, il n'aura même plus besoin de parler. On va venir dire la vérité aux gens ici. Mais c'est faux, il ne pourra jamais donner ce numéro-là. Il n'a jamais rien déposé. C'est encore un vaurien notoire qui pensait que lui peut venir parce que je suis quitté en Europe, frimé. Mais toi, ton Europe, là, nous qui sommes aux États-Unis, nous sommes vos grands frères. C'est quand on parle de puissance, là, c'est nous d'abord. Non seulement les États-Unis commandent le monde, mais parmi les aventuriers, là, en tout cas. Donc là, arrêtez de faire ce vous-vous-y-là pour impressionner nos parents. C'est ceux-là qui font que les gens ne peuvent pas respecter les aventuriers. Non, moi je viens de l'Europe, hein, moi je viens de l'Europe, hein, c'est comme ça. Alors que toi, tu vas en classe économique en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça avec nous ici. Être en Occident, là, c'est pas signe de réussite. C'est parce que tu as échoué même que tu t'en vas prendre l'argent qui est réservé aux Ivoiriens là-bas. Sinon, moi, là, on n'est jamais, jamais, mais je n'ai pas besoin de ça. Donc là, quand un vaurien parle lui-même, il donne les preuves contre lui-même. Et c'est à cela qu'on a assisté. Et comme il y a un langage, il ne peut plus parler de réconciliation. Donc c'est Vichère qui est devenu maintenant leur leitmotiv. Mais c'est un cas inutile. Vraiment, merci l'éclaireur. Merci beaucoup. Surtout la partie même qui m'a beaucoup fait mal, c'est de dire aux gens qui en Europe, allez-y, prenez l'eau, partez, comme ça, c'est mieux que rester en Côte d'Ivoire. C'est ce côté-là même qui m'a vraiment touché. Non, c'est vraiment comme tu l'as dit, pour quelqu'un qui a réussi en Occident, ne vient pas compter sur l'argent des Ivoiriens. Parce qu'ils ont dit l'argent pour les jeunes Ivoiriens. Et les jeunes Ivoiriens, prioritaires en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire sont prioritaires. Qu'on se dise la vérité, pourquoi on va se mentir, tu ne peux pas échouer en Occident. Et puis vraiment, comme tu l'as dit, allez t'asseoir qu'on te donne l'argent des jeunes. Voilà. Vraiment, merci l'éclairant, merci pour tout. Merci beaucoup, cher. Et ça seulement, je combattrai toujours, toujours. On fera du mieux que nous pourrions. Et c'est ça aussi, il faut toujours qu'on soit là pour contrecarrer, pour éclairer la lanterne de nos parents, pour ne pas se laisser manipuler par ces gens-là. Vraiment, merci à vous et on vous souhaite un excellent vendredi. Merci et bon vendredi à tous. Okay, bon dimanche. Merci beaucoup. Oui, bonjour, le grand maître Sundiata le Conquérant. Oui, bonsoir, cher frère éclaireur. Comment allez-vous? Je vais très bien, chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Mm-hmm.
Je veux m'exprimer sur deux sujets relativement à la CAN qui arrive. Vous savez que la CAN, c'est dans un peu plus de 80 jours. Et il se trouve que dans deux grandes villes où la compétition aura lieu, plus précisément à Korogo et puis San Pedro, il y a encore des problèmes de moyens de transport. Et le deuxième sujet, c'est la lutte contre le grand banditisme dans les grandes villes de Côte d'Ivoire. Alors, il faut déjà remarquer que toujours à Korogo, les taxis, il n'y a pas de taxis jusqu'à présent. C'est le taxi moto qui est d'actualité. Il était question à un moment de faire partie de la Sutra à Korogo. Bon, depuis ce projet, il est resté au point mort. Il était aussi question d'envoyer des taxis à Korogo. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de taxis. À San Pedro, c'est également la même chose. Donc aujourd'hui, nous voulons encore insister sur les moyens de transport dans ces deux grandes villes. Parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui ont les stades sont de qualité, on peut faire le constat. On peut aussi faire le constat qu'en ce qui concerne les hôtels, en ce qui concerne les hôtels, la situation aujourd'hui est nettement meilleure. Il y a des complexes hôteliers de très bonne qualité. Les stades sont de très bonne qualité. Maintenant, il reste des moyens de transport. Si les moyens de transport d'ici là ne sont pas au top, je pense que ça va entraîner quelques désagréments. Pourquoi jusqu'à présent la Sutra n'est pas partie, nous ne savons pas. Mais je pense que nous avons encore 80 pour rectifier le tir. Et c'est en cela que nous voulons interpeller les décideurs pour demander aux uns et aux autres de faire quelque chose en urgence. Il faut que quelque chose soit fait en urgence pour les villes de Korogo et Sample pour améliorer les moyens de transport. Il faut regarder de très près. Il est important de commander de nouveaux bus et de les faire venir dans ces deux grandes villes. Aussi, les taxis. Il faut faire comme ce qui s'est passé à Ouaké, il y a aussi Ouaké à Ouaké. Moi, je pense qu'il faut trouver une solution aussi pour déployer les taxis Ouaké dans les villes de Korogo et de San Pedro. Parce que cette CAN qui arrive, c'est un grand rendez-vous pour la Côte d'Ivoire. C'est pas Abidjan seulement qui compte en Côte d'Ivoire. Les autres grandes villes comptent également. Donc nous pensons qu'il est important d'améliorer la qualité du transport dans ces grandes villes. Concernant la lutte contre le grand banditisme dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, je vais citer plus précisément les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Ouaké, Daloa, Mans, Korogo, Bondoukou, Abangourou et puis San Pedro. Vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître en tout cas, concernant la lutte contre le grand banditisme, il y a un grand effort qui a été fait dans ce sens. Parce que nous nous souvenons qu'il y a plusieurs mois de cela, dans ces villes que j'ai citées, la BRI, la brigade d'intervention et de sécurité, la brigade rapide d'intervention, donc la BRI, en tout cas, a fait de son mieux pour démanteler plusieurs gangs et pour mettre aux arrêts plusieurs bandits. Des bandits des grands chemins, des couleurs ont été arrêtés et traqués. Mais il faut faire remarquer que avec les événements qui arrivent, ces bandits-là se disent toujours que c'est leur traite, surtout lorsque ce sont les fêtes de fin d'année et aussi avec la CAN qui arrive. Les bandits, les personnes de mauvaise intention, se disent toujours on peut profiter. Donc, il faut penser à renforcer le dispositif sécuritaire dans ces grandes villes pour traquer les bandits. Nous nous souvenons qu'il y a
de cela quelques jours, il y a un coiffeur à sa descente de boulot qui a été poignardé par des bandits armés. Donc, aujourd'hui, nous voulons revenir sur cet aspect pour dire qu'il est plus que jamais grand temps. C'est le moment. C'est le moment de commencer à traquer les bandits des grands chemins, les coupeurs de route, les voleurs. Parce qu'en général, c'est dans ces grandes villes et sur les routes que les bandits sévissent beaucoup plus. Donc nous demandons aux autorités sécuritaires compétentes de renforcer le dispositif sécuritaire et de continuer à traquer les bandits, les voyous et les coupeurs de route dans les grandes villes suivantes. Abidjan, Yamoussoukro, Kouaké, Kourougo, San Pedro, Man, Daloa, Abangourou et Bondou. Parce que la plupart du temps, c'est dans les grandes villes que ces bandits-là sévissent. Or, nous savons très bien que c'est dans ces mêmes grandes villes que la compétition aura lieu. Donc, il est important de renforcer les dispositifs sécuritaires maintenant pour parer à toute éventualité. Donc, voici ce que je voudrais dire. Puis, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous dis. Vraiment, merci beaucoup, Sunyata le Conquérant. Ce qui m'a marqué par votre intervention du jour, c'est votre honnêteté et votre cohérence. Parce que, de façon honnête, vous avez critiqué des points rouges, des points chauds, et contre toute attente, vous êtes venu nous dire aujourd'hui, ça veut dire donc que vous suiviez l'évolution de la situation. Et vous êtes venu nous dire aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Voyez-vous, c'est ça, la capacité intellectuelle à être honnête. Ça étonne beaucoup aujourd'hui qu'on puisse critiquer quelque chose demain et puis on vient faire l'état des lieux. Ça prouve vraiment votre souci pour le pays, votre souci pour l'avancée, le progrès et la stabilité du pays. Et ça, nous vous en remercions énormément. J'allais profiter pour dire merci aux autorités sécuritaires, du plus petit jusqu'au plus grand, qui ont fait de la sécurité un point non négociable en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la première chose la plus fondamentale, la sécurité. Quel que soit ce que vous avez, si vous n'êtes pas en sécurité, c'est zéro. Et vraiment, merci, merci d'être sorti pour encore toucher ces mêmes points pour dire qu'il y a des améliorations. Et donc, nous demandons aux populations de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité pour signaler tout ce qui est suspect et tout ce qui est inhabituel. Ça va encore protéger davantage nos populations. Et il faut que ces criminels-là soient condamnés durement par la justice pour que nos autorités sécuritaires se sentent confortés dans le beau travail qu'ils font. On arrête des bandits, il faut les juger durement pour dire qu'en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas une terre de désordre. C'est cette cohérence-là que nous voulons voir, ça va beaucoup nous faire plaisir. Et pour terminer, il y a l'Ene Kounadama qui nous dit « Le ferronnier qui a fait sa ferronnerie moderne en d'autres là, que lui, il a déjà un projet en cours avec ce ferronnier-là. » Donc si quelqu'un veut réellement travailler là, la personne sait ce qu'il faut faire. Dans la ville, on peut parler beaucoup. Mais c'est, la parole, là, ça nourrit pas quelqu'un. Facebook, là, ça nourrit pas quelqu'un. Sinon, là, tu vas venir crier sur Facebook, là. C'est pas quelqu'un... Ça donne pas retraite, pour simplifier la chose. C'est des idées que nous voulons faire passer. Et c'est une chance historique pour nous d'être capable de faire passer nos idées. Il fut un temps dans le monde où, même pour trouver un journal pour lire, c'était difficile. Mais aujourd'hui, grâce à cette technologie-là, aujourd'hui, tout le monde peut parler. Mais ce n'est pas parce que tout le monde peut parler qu'il faut dire n'importe quoi. Il faut dire des choses. Et M. Haïdara Idrissa vient dire que le projet emploi jeune est une réalité en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas être dans le mensonge facile ou bien dans le dénigrement facile. Si M. Mamadou Touré n'agit pas bien, là, nous, on va le redire durement. Et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Rien. Mais quand il y a des améliorations et qu'on voit que les Ivoiriens ne se plaignent pas, donc il faut qu'on soit malhonnête, on ne va pas être dans ça aussi. En tout cas, ça ne passera pas avec nous. Comme Sunyata vient de le faire, on a dit qu'il y a des endroits, il y avait beaucoup d'incertitudes dans ces zones-là. Ça s'est corrigé. Mais naturellement, il faut qu'on ait l'honnêteté de venir dire qu'il y a eu du travail. Il y a eu du travail, les populations peuvent l'attester. Et Sunyata même vient de le confirmer sur la base de ses propres recherches. On ne peut que féliciter nos autorités pour leur dire « Nous sommes conscients de ce que vous faites. » C'est ça aussi la capacité des hommes à être vrais.
Vraiment, le concurrent, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous remercie. Portez-vous bien. Excellente soirée à tout le monde. Très bonne émission. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Et relativement à ce que Yanis Cohen avait dit, par rapport au palais de justice d'Abobo, on vient d'avoir une réaction chaude du roi du printemps qui a dit ceci. Bonjour éclaireur, concernant le palais de justice d'Abobo, certes il y a eu des difficultés dans le temps, mais depuis un certain temps, les travaux avancent bien et le palais est en état de finition. C'est un habitant d'Abobo qui nous parle, donc c'est le roi aussi, en plus de ça, c'est le roi du printemps qui ne peut pas s'amuser à donner des informations qui ne sont pas correctes. Yanis, Dieu merci, ta crainte, elle est en train de se dissiper parce que ce que j'allais demander, moi je crois au roi du printemps parce qu'il est d'abord quelqu'un qui nous donne des informations sûres, mais aussi parce que c'est un habitant d'Abobo, il voit ce qu'il voit. S'il parle de toute la Côte d'Ivoire, c'est pas Abobo. Et donc, si vous doutez encore, prenez peut-être quelqu'un et dites-lui, le palais, allons vérifier. Le roi du printemps dit que ça y est, c'est presque fini. Allez vérifier pour voir si c'est vrai ou faux. Mais je crois que les choses sont dans le bon sens. Et donc, ça répond plus ou moins à votre préoccupation. Et donc, on va passer à la personne suivante pour continuer le débat intellectuel que nous avons engagé. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, cher maire, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Bonjour à vous du côté de New York. Je dis bonjour à toute la classe, tous les intervenants qui sont passés. Je salue grandement maire Akeo. Maire Sali, maire Ouragan, le Potawa du Nil, tous nos intervenants qui sont passés tout à l'heure, dont je n'ai pas le nom. En tout cas, ils ont fait de très belles interventions. Leurs sujets sont des sujets quand même vraiment poignant et franchement, je salue leur passage et puis toutes les personnes aussi qui font le travail en arrière-plan, vous êtes salués et toujours salués. Éclaireur, chercher l'argent ou le dépenser, qu'est-ce qui est le plus difficile? Évidemment. En tout cas, merci, c'est une question qui est vraiment, on va dire, alléchante. Alors, c'est simplement dire que ça m'amène à dire que nous avons des dirigeants qui ne savent pas créer les opportunités, simplement. Parce que quand l'argent est là, les moyens sont là, le président met les moyens qui sont là et que rien n'est fait, ça veut dire qu'on travaille, des gens, ceux qui sont supposés travailler pour nous ne savent pas créer d'opportunités. Et ça, c'est une inquiétude vraiment qu'il faut, c'est une inquiétude qu'il faut avoir. C'est aussi important que ça. Je vois des gens qui ne savent même pas créer d'opportunités, mais ils savent aller se faire valoir dans les cérémonies simplement pour se montrer. Et je pense que c'est ça aussi leur problème, se faire valoir dans les cérémonies plutôt que travailler pour leur département. Franchement, on a des dirigeants qui sont pas des plus souhaitables. Et ça m'amène justement à aller à la communication, au ministère de la communication par exemple. J'ai envie de dire que depuis que le ministre de la communication est en place, lui en tout cas, pour ne pas parler de ses prédécesseurs, qu'est-ce qu'il a réussi en réalité quoi? Parce que le B52 en fait, c'est une grogne aussi que je fais pour soutenir le B52, il grogne à propos de ces journalistes-là qu'on a, qui, en tout cas pour des soi-disant journalistes qu'on a, qui font de la honte, d'ailleurs, c'est des journalistes qui, de la plus grosse honte, je suppose, enfin, je peux dire comme ça, des journalistes qui ont aucune compétence, vraiment aucune compétence, même pas le minimum. Et le Bœuf 52 faisait allusion à leur incapacité d'aller voir ailleurs et rapporter des choses qui pourraient susciter des solutions à nos problèmes sur place. Mais en ce sens-là, on ne voit pas de journalistes, mais ils sont là à faire, se dire journalistes et parler plutôt des individus politiques et autres. Ça, c'est leur particularité. Hormis ça, il n'y a pas de journalistes vraiment. Maintenant, quand la situation est telle, quand on est dans un tel désordre,
d'information. Qu'est-ce que M. Amos, pardon, fait avec son, à partir de son département pour apporter de la qualité à notre journalisme en Côte d'Ivoire? Ça, franchement, l'éclaireur, on attend beaucoup de lui et le désordre qu'on constate, apparemment, rien n'est fait pour ne pas, enfin, pas grand chose n'est fait pour ne pas dire rien n'est fait, mais en tout cas, nous ne sommes pas satisfaits du travail de M. Amst, au niveau de la communication. Donc, je voudrais, en tout cas, nous demandons qu'il se remette sérieusement au travail pour apporter quelque chose aux journalistes même. Mais serait-ce que, you know, poser sa marque aussi dans ce département-là. Le journalisme, il est fondamental pour notre évolution. Il devrait le savoir, ce n'est pas à nous de le lui apprendre. Nous ne faisons que le lui rappeler. Moi, je pense qu'il devrait aller vraiment chercher de l'expertise ou alors, en tout cas, apporter quelque chose à notre journalisme qui bat trop de l'aile depuis toujours. C'est un grand désordre qui est dans ce secteur et de n'importe quoi, des gens qui sont pas qualifiés, qui se disent quand même journalistes, qui ne savent pas poser des questions, ils se disent journalistes, qui ne savent pas apporter de l'information, ils se disent journalistes. On peut les voir même quand M. Hams sort du Conseil des ministres, on a à peine des journalistes qui ont des questions à poser, alors que c'est le lieu quand même vraiment de tout faire bouillonner, mais ce n'est pas le cas. Donc, M. Hams, vous avez vraiment du travail à faire, et puis nous attendons beaucoup de résultats, beaucoup de changements au niveau du département que vous conduisez. S'il vous plaît, formez-nous des gens, des journalistes qualifiés qui puissent venir relever les défis que nous avons. Sinon, franchement, la tâche, elle est définitivement trop lourde. Éclairant, c'est ce que je voulais dire. Et puis vous avez parlé de quatre ministères, enfin, un éventuel quatre ministères uniquement, pour bien faire le travail, et je pense que quand j'ai entendu ça, en tout cas, ça m'a rassuré. Se limiter à quatre ministères uniquement et puis avoir le travail bien fait, c'est notre souhait. Vraiment, c'est notre souhait. Et c'est sur ça que je voudrais vous laisser dire bonjour et dire bonne soirée et bonne fin d'émission à tous. Merci beaucoup, Éclaireur. Merci beaucoup, cher maire, d'être encore venu nous instruire. Les quatre ministères, sachez que c'est de la projection que je faisais pour dire que si les gens ne se mettent pas au travail, le chef de l'État ne va pas continuellement improviser à essayer de les faire remplacer. Il a les compétences et il a les hommes qu'il faut, qui peuvent faire le travail proprement. Il allait juste les enlever et puis continuer son travail sans eux. Et donc, en ce qui concerne le ministère de la Communication, vous avez dit que AMS devrait former des journalistes. Cher maire, c'est à l'école du journalisme qu'on forme les journalistes. Donc, cela n'est pas de sa responsabilité. Par contre, nous avons tout à reprocher à la communication d'État. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus et ça, nous le disons sans embâche. Monsieur Koulibaly est lui-même un très bon communicant. Quand il y a des points essentiels de l'actualité, quand il donne des avis, ça ne laisse personne indifférente. Monsieur Hams connaît très bien l'efficacité de la communication. Il connaît aussi très bien l'efficacité des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais, comment se fait-il que la communication d'État souffre? Voilà la problématique que nous devrions lui poser. Sinon, cher maire, pour vous dire, on dit que toute société a l'image de ce qu'elle produit. Les journalistes que nous avons là, c'est la société ivoirienne qui est là. Ce sont des agents de corruption, c'est des agents corruptibles. Et donc, eux, quand ils finissent leur formation, ils se disent, comment je peux faire pour m'agripper un parti politique ou bien, comment je peux faire plaisir pour pouvoir avoir mon pain? Mais ils le font parce que c'est notre société qui est comme ça. Très peu savent qu'il faut agir par éthique et par déontologie. Et il y a M. Cheikh Mandé Diatta qui avait demandé la parole. Je me suis fait fort de vous contacter personnellement et je vous ai dit, voilà où vous pouvez avoir la parole, vous communiquez avec moi. Mais si vous savez que vous êtes au travail et que vous êtes à votre heure de pause, mais ne demandez pas la parole. Ça, vous nous avez perdu en temps, en fait. Et ça, c'est un manque de respect. Monsieur Cheikh Mandé Diatta, ne le faites plus jamais cela.
Moi, je vis ça comme de la foutaise. Vous avez écrit, j'ai pris mon temps, je suis allé vous trouver. J'ai dit, voilà comment vous allez communiquer. Est-ce que vous voulez communiquer? Oui. Puisque vous êtes venu en retard, je peux vous donner 5 minutes spécialement aujourd'hui pour que vous communiquiez. C'est là que vous me dites, désolé, je suis au travail à ma pause. Et donc, ne refaites plus jamais ça. Ne nous manquez pas de respect jusqu'à ce point-là. Vous aurez pu nous épargner de cela. De la même manière que votre pause est importante pour vous, c'est comme ça que l'émission aussi est importante pour nous. Et donc, ne refaites plus jamais ça. Et donc, cher, on va continuer. Et donc, comme pour dire que, pour moi, c'est la communication d'État, si on amenait cela sur une balance de jugement, qui n'est pas satisfaisante. Un, M. Hams devrait savoir que le chef de l'État est laminé et pas des moindres qui sortent. Il faudrait qu'on crée une cellule pour casser les contre-vérités des opposants. Le ministère de la Communication peut s'en charger. Il faudrait qu'on crée des cellules pour informer la population en fonction des paradigmes de notre société. Grand français, là, il n'y a pas beaucoup qui comprennent. Non, on ne comprend pas français. On dit, conseil des ministres, là, ils ont fait. Quand ils ont fait, là, gros français que vous avez dit, nous, on n'a pas compris. Casser le niveau du langage pour que les gens comprennent. Et puis, on doit avoir une cellule pour dire aux Ivoiriens ce que le gouvernement fait, comment il le fait et où il veut amener les Ivoiriens. Ah, point qu'on a fait, là. Voilà, point là important, parce que entre Abobo et pardon, entre Plateau et puis Cocody, aujourd'hui là, c'est 30, c'est une minute. C'est très important parce que ça fait éviter les embouteillages. Or, quand ça fait éviter les embouteillages là, le chauffeur de Baka là, ou même du véhicule là, il économise en carburant. Donc, c'est important. De deux là, vous gagnez en temps. Ça facilite la vie. Exemple, si quelqu'un doit aller à la clinique Farah, et que les voies étaient bouchées comme avant là. Mais avec la nouvelle, avec le cinquième pont là, tu passes, tu tournes net là. En quelque temps, tu es là-bas. Ça peut sauver des vies en cas d'urgence extrême. Voilà ce que nous, on comprend. Mais quand des Mamadou et Walamisa sortent, pour venir dire que non, le quatrième pont, ça a été un gâchis et qu'on aurait pu distribuer l'argent, mais que le gouvernement ne trouve pas quelque chose à dire. C'est vrai, on ne peut pas répondre à n'importe qui. Mais il faut rappeler à ce Mamadou que lui-même, il a été ministre de l'économie à une certaine époque, ils n'ont même pas pu déposer même une case en banco. Et que, comparé à quelqu'un qui a pu faire un cinquième pont qui fait rêver le monde, ce n'est pas un incapable qui peut venir parler quand on sait qu'ils n'ont rien laissé dans la postérité. Voilà les stratégies que nous aurions voulu voir dans la communication d'État. Et donc, sur ce terrain, on va l'attendre en espérant bien que peut-être les choses seraient prises en compte. Et qu'on verra aussi des changements. Mais comme vous l'avez dit, fondamentalement, il y a quand même des améliorations qu'on attend dans son secteur qui feraient plaisir aux Ivoiriens. Oui, éclaireur. Pour au risque de me répéter, en fait, c'est vrai, on a le problème de la communication, mais aussi on a le niveau du journalisme même qui est trop bas en Côte d'Ivoire. Parce que la société ivoirienne elle-même est détruite. Et donc, les journalistes qui sortent s'adaptent à notre société. C'est ce qui vous montre que le niveau est bas. Sinon, si les Ivoiriens demandaient mieux, les journalistes se seraient adaptés. D'accord. Mmh. Si cela est le département du ministre de la Communication et qu'il n'est pas satisfait de ce niveau-là, mais il y a quelque chose, il y a de l'apport qu'il peut faire à ça quand même pour que le niveau s'élève. Sinon, si ça doit rester à ce niveau, ça doit rester tel, je pense que, voilà, au finish même, la tâche, lui, est difficile à lui-même aussi à la fin. C'est ça. Bon, merci, mais c'est ce que je voulais dire à ce propos-là. Désolé si je ne fais pas comprendre, mais bon. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, cher maire. C'est nous que vous disons merci. Et on va vous souhaiter une excellente soirée du côté de Londres. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. Aussi. Bonne soirée à tous. Thank you.
Bonsoir, Éclairé pour l'humanité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Ça va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amin, amin, amin. Ouais. Ok, donc vous avez la parole. Ok, Éclairé, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à la Mao, la maman Ouragan. Vraiment, vous avez tapé fort. Et c'est propre. Voilà. Donc, je dis bonsoir à tous les Mao et Chao. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Éclairé, ce soir, moi, je voulais vous poser quelques questions. Je voulais savoir, parce qu'il faut toujours s'informer et demander, et ça va faire du bien. Je sais que beaucoup nous écoutent. Et en même temps, l'avis de tout un chacun est demandé. Celui qui est au courant peut mettre en commentaire pour que je puisse être soutenu. Éclairant, la première question que moi je voulais vous poser, consultation à l'hôpital en Côte d'Ivoire, des enfants, un enfant à partir de 12 à 0. Je voulais demander, consultation, ça fait combien en Côte d'Ivoire? Bon, c'était gratuit. Je ne sais pas si les choses ont changé, mais c'était gratuit. Parce que les choses peuvent changer. Mais jusqu'à l'instant, je pense que ça n'a pas changé. De 0 jusqu'à 5 ans, c'était gratuit. À 5 ans? En plus de 5 ans, là, c'est payant. Bon, ce que je sais, c'est de 0 à 5 ans. Je ne vais pas répondre à une question que je ne maîtrise pas. Ok, merci voilà, beaucoup. Ce qui est écrit, c'est ce que je sais. De 0 à 5 ans. Donc, il n'y a pas de problème. Là, j'ai compris. Mais, et analyse des sangs. Parce que analyse des sangs, je ne sais pas si c'est les enfants seulement qui ne payent pas, ou bien si c'est tout le monde qui paye. Là, je voulais être soutenu. C'est d'abord dans les hôpitaux publics. Oui. Il faut signaler ça aussi. Si tu vas dans une clinique, même si ton enfant a un an, tu vas payer. Oui. C'est dans les établissements publics. Et ce n'était pas dans tous les cas. Par exemple, c'était dans le programme de lutte contre le paludisme. Maintenant, dans certains cas, les femmes enceintes aussi, il y avait des facilités pour elles. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais aller pour ne pas perdre le temps. Mm-hmm. J'ai vécu une situation le 18 passé là. Mm-hmm. J'ai ma fille de 11 ans et 4 mois, quelques jours, qui a son corps était chaud. Mm-hmm. Sa mère a envoyé à l'hôpital. D'abord pour, comment dirais-je, à l'accueil. Ça a été de payer 3 500 francs. Maintenant, 3 500 francs payés. Et le papier qu'on l'a donné, mais sur le papier, c'est 1 000 francs qui est écrit dessus. Mm-hmm. En même temps, il s'est en train de parler et je suis en train d'interpeller et je vais dénoncer parce que j'ai le numéro du docteur. Médecin généraliste, j'ai son nom tout. Je n'ai pas son numéro, mais j'ai son nom tout. Donc, il faut et je connais l'hôpital. Il faut tout et dire. Et c'est à propos. Il faut tout dire. Derrière. Il faut tout dire. Voilà. Non, pour le moment, j'ai tous les prévus ici. Mm-hmm. Analyse de ça, 12 000 francs. Ça a été payé. Mais sur le papier, il n'y a rien qui est marqué. Et il a fait tout. Il fait comme s'il s'est trompé. Des noms qu'il est en train de qu'il veut écrire. J'ai compris. Mais les photos sont bénies. Et quand j'ai regardé, j'ai dit vraiment, ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je voulais me renseigner devant tout le monde. Mm-hmm. Et je sais qu'après, je vais avoir les vraies informations. Parce que ça, là, c'est pas clair. Voilà. Vu les papiers qu'on m'a montrés, même c'est tout est faux. Donc, je vais avancer. Je dis merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le cyclone, pour confirmer ce que je vous disais, parce que vous savez, nous sommes sur une plateforme, il faut dire les choses. La dernière fois où le ministre Pierre Ngoundemba a parlé de la gratuité ciblée des soins dans les centres de santé, c'était le 29 mars 2023. Et voici ce qu'il disait. Je vais mettre le lien, mais je vais lire aussi. Pierre Ngoundemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a confirmé la gratuité ciblée, entre guillemets, dans les centres de santé le 29 mars dernier lors du GovTalk, une séance d'échange en direct
de la page Meta officielle du gouvernement de la Côte d'Ivoire. De ce fait, le ministre de la Santé a fait savoir que cette gratuité ciblée était une réalité en Côte d'Ivoire, notamment pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, comme je vous l'avais dit, et toutes les personnes souffrant d'un paludisme simple, tout en révélant que l'État payait les kits de paludisme simple. Le test de paludisme sont gratuits. L'État paye donc et vous devez exiger la gratuité, a-t-il précisé. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'était pour dire que la gratuité, si je ne me trompe, si je me base sur ce que le ministre a dit, c'était dans le cadre des soins contre le paludisme. Donc, je vais mettre encore... Mais ce que vous êtes en train, c'est d'autres détails. Tu ne peux pas payer 12 000 francs et puis ne pas avoir 12 000 francs sur le reçu. Là, je ne maîtrise pas ça. Mais en ce qui concerne le programme de gratuité ciblée quand même, c'est ce que je viens de vous dire là. Je vais mettre le lien aussi. Allô? Allô? Il me semble que le cyclone n'est plus avec nous. Non, je suis là, éclairé. Ok, donc j'avais fini. Ah, ok. Donc, je continue en même temps. Oui. Et j'ai dit ce qui s'est passé. Quand ils sont partis, consultation, il y a 3500 qui a été payé. Maintenant, analyse de ça. C'est là 12 000 francs ont été payés. Le docteur, j'ai son nom, l'hôpital, à telle heure, tel jour. Tout, j'ai ça en main. Ça peut être juste, mais je trouve, quand j'ai vu les documents qu'on m'a envoyés, vraiment, j'ai trouvé que c'est faux. L'argent, la somme qui a été payée, parce que quand même, on connaît, ce qui est propre, la somme, on voit là, on connaît. Mais où il y a marmaille dedans, la somme, on voit aussi là, on connaît. Donc, je parle devant tout le monde. Si, peut-être je peux me tromper, mais je suis sûr que je ne me trompe pas là. Mais tout qu'on fait éclairer, les preuves après, je te fais partie, toi-même tu vas voir si ce que j'ai dit, c'est vrai ou faux. Okay. Voilà. Okay. Donc, je continue. Je dis merci au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, président des Ivoiriens. Oui, président des Ivoiriens, qui nous donne la joie de vivre et qui programme tout pour nous et nos enfants. J'ai entendu la Mao Sali dire qu'il y a un falfelu, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Regarde, chers militants, ces Ivoiriens, même les gouvernants, nous avons intérêt de protéger nos pays. Mensonges là, ça ne va pas prospérer. Et les auteurs de mensonges là, on ne doit pas les laisser passer inaperçus. Ce n'est pas possible. On doit répondre, même si on voit qu'il a fait le direct, que ça fait un mois, on doit venir le répondre. Oui, rétablir la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité. Tous ceux qui sortent, qui parlent, d'abord, si on dit que les projets seront financés, il y a un. Ils ont parlé à partir de 35 ou à 30 ans de ça. Lui qui est parti, lui qui se plaint, il a quel âge d'abord? Quel est son programme, son projet? Il est quitté où? Il est parti pour, c'est là pour faire quoi? Un gars qui parle comme ça, ça veut dire tout simplement que c'est des gars qui ne peuvent pas avoir des projets. Même en parlant, ce qu'il dit là, ça prouve que c'est faux. Il n'y a rien en face. On a toujours appelé ici, on dit les Ivoiriens. Nous, on dit voilà, ça, ça ne va pas. Mais on dit aujourd'hui, ça va un peu. Les Ivoiriens sont là-bas. Plus tard, même pas un mois, il y a un papa qui est venu remercier ici. Son enfant, il prend les 32 millions. Qui a financé? C'est le programme, c'est l'employeur qui a financé. Ça veut dire que le projet était réel. Mais pourquoi les bandits vont aller s'arrêter? Les gosses héroïsent. C'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres même qui se disent imam. Ils sont en train de... Tout ce qui pavanise le réseau, tout ça là, c'est Guillaume Soro. Pourquoi on va se tromper de combat? Et ça là, ça va jamais finir. Cher Mao, restons tranquilles. C'est là. On va les soigner propre. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Personne ne peut mentir sur la Côte d'Ivoire. Si il y a quelque chose qui ne va pas, nous tous sommes d'ici. Mais on ne peut pas venir nous mentir, nous. Il n'a qu'à arrêter pour lui. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de lui. D'abord, là, il devrait montrer que lui, il est quelqu'un. Il était en Europe. Il devrait partir avec quelque chose. Chacun d'entre nous est en train de prier Dieu. D'avoir la bonne chance d'avoir quelque chose pour se retourner au pays. Aller se renforcer pour qu'on puisse nous aider, on puisse faire quelque chose. Voilà la pensée de tout le monde. Tu sautes ici, tu vas, en Afrique, tu dis ton projet n'a pas été programmé.
Mais avant d'aller, c'est quelle procédure tu as fait au niveau de l'Europe? Quelle procédure? Bande de menteurs que tu es. Palpelu. Tu crois ça à tout le monde, ils vont donner l'argent? Si on nous a parlé de 1 milliard, 1 milliard là, c'est programmé pour la jeunesse ivoirienne. Ceux qui sont prêts à travailler et ceux qui sont dans le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que je connais un cadre. Si c'est après de connaissance de cadre là, wallah, moi, il sera, moi j'allais, malgré mon âge à dépasser là, j'allais gagner pour moi dedans. Mais c'est faux, ça ne marche pas. Les règles sont respectées. Parce que le président a donné un programme. Et c'est ce qui est en train de se faire. Si ça ne va pas là, nous on va venir dire ça ici. Et ce n'est pas parce que beaucoup d'hommes viennent pas parler, beaucoup d'hommes viennent parler sur les antennes. Il y a beaucoup qui ont reçu. Mais le moment où on sortait, c'est pour dire, il n'y a rien qui partait là. Il n'y a rien qui va. Mais à ce moment, les gars ne recevaient pas. On ne comprenait rien déjà. Mais maintenant, on a des amis même qu'on cause à eux. Et ils ont eu. Mais les gars ne veulent pas se faire. Merci la place publique. Mais ils prennent la communication pour montrer que vraiment, ils ont été financés. Et ils respectent les conditions. Toi, tu es prêt à appuyer. On ne sait pas pourquoi même tu es quitté ici. À savoir même si ce n'est pas un delay ici. Avançons avec ceux qui sont prêts pour travailler. Pour être financé à diaspora, je sais qu'il y a un procédé ici. Tout doit se faire à partir d'ici. Oh bien, les gars, venez nous expliquer. Parce qu'à un moment donné, ils ont demandé, c'est lui qui veut rentrer, pour qu'on puisse les financer. Mais il y a l'âge qui est donné pour ça. Il n'a qu'à venir bien nous expliquer. Sur ce qu'il dit là, on n'a rien compris. Et on n'a rien entendu. Mais la Côte d'Ivoire, les jeunes sont financés. Et pour finir rapidement, salut Boukaïta. Nous les Ivoiriens là, nous on dit, l'ensemble des Ivoiriens dit, nous on n'a pas besoin de toi chez nous en Côte d'Ivoire pour faire un conseil. Nous là, on ne veut plus s'aviser. Nous là, c'est le travail qui nous intéresse. Et c'est toi. Parce qu'au Mali, il n'y a rien là-bas qui fait publicité de thé et les grains. Nous, on n'a pas ce temps-là. La Côte d'Ivoire est sans à l'air. Parce que le président a donné tous les moyens et tous les programmes sont tracés pour atteindre nos objectifs d'ici 2025. 2025 même, c'est trop. Même si on peut venir demain soir même, c'est bon. Donc, nous, on a beaucoup à faire. On a besoin d'argent. Et pour vous rappeler, nous sommes à la sous-préfecture de France. La Côte d'Ivoire, c'est sous-préfecture de France. Voilà. C'est là-bas qu'on appelle Saint-Gélysée. Voilà. C'est là-bas qu'on fait les Saint-Pitts sur le pont, là. Malgré vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Vous, allez-y en Russie. Allez-y faire vos conseils là-bas. Ça ne nous intéresse pas. Et pour dire à ceux qui veulent organiser, nous, on vous a déjà parlé. Oui, c'est la majorité silencieuse qui vous parle. Parce que la collègue qu'ils ont mis à nous, en qui n'a pas nos caranèves, en tortillant la famille de ces caranèves, tout un peuple, insulter le président. Et c'est là, on ne va jamais les faire confiance, on ne va jamais les faire cadeau. Chacun n'a qu'à rester dans son pays. La Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens d'abord, on préfère, on a beaucoup de chanteurs là-bas, on préfère Afou Keïta, on préfère les chanteurs ivoiriens. Voilà, on les préfère. Pour faire ça chez toi, les boutiques ont besoin de toi. Nous, on n'a pas besoin de toi chez nous. Ça veut dire que tu as fait nous honte d'avoir dit que tu vas venir faire conseil en Côte d'Ivoire. Ah ben, la France est partie où? Hein? Votre indépendance, vous avez pris votre souveraineté, tout cela. En bon, vous prenez votre souveraineté en faisant la grande gueule. Maintenant, si vous êtes moisi, si vous n'avez rien, c'est en Côte d'Ivoire, vous fiez pour aller là-bas. C'est pourquoi, dans la fête tabasque qui passait là, vous, on vous a vu, vous avez rempli les avions seulement pour aller en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous êtes partis fêter là-bas. Mais pourquoi insulter ce peuple? Oh putain, la Côte d'Ivoire a tout donné. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez réfléchi que la Côte d'Ivoire et puis le Mali ne doivent pas avoir même du ski entre eux? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à ça? Mais à un moment donné, là, nous, on se préfère. Il faut qu'on dise ça. Voilà. C'est lui qui va dire que si j'ai des problèmes, c'est ton problème. Voilà, ici, il ne faut rien. Et je veux parler en tant qu'Ivoirien. Parce que c'est là, on nous a fait trop du tort. Pendant 6 mois, des bandits ici, la base de mensonges. Il y a qui au Mali là-bas qui a non, que la Côte d'Ivoire n'a pas donné non. Éclairé, je ne sais pas s'il y a encore du temps, je vais vous demander si ça m'irait comme il est venu, si je dois m'arrêter ou bien aller chap-chap, je vous écoute. Bon, faites un chap-chap, sinon vous avez déjà fini avec votre temps, mais allez rapidement. Ok, il n'y a pas de problème.
Donc, Salif Okeïta, j'appelle à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes, toutes nos mamans qui vont à la Roxy, nos mamans qui font les grandes choses, qui ont les avenirs à préparer pour les enfants, pour les défaits, pour tout ce qu'on doit faire pour nos pays. Et ne jetons pas notre argent. Le monde devient dur. Au lieu de jeter l'argent sur les griots, sur les bavardais, gardez ça pour vos enfants. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Faites boycott à qui ? Salif Okeïta, à part Salif Okeïta, à part Mali, à part les Poutines, vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République, vive le, tous les Ivoiriens, éclairés, Inch'Allah, demain serait le tout. Je vous dis merci et c'est à l'écoute. Merci beaucoup, le Cyclone. Merci infiniment pour votre sortie. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Bien des choses à vous-même et à toute la famille. Merci, merci, merci à vous également. Merci beaucoup. Allô? Oui. Oui, allô? Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va, et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok. Okay. Merci. Okay. Donc, vous avez la parole. Ok. Bonsoir, cher frère éclaireur, pour vérité. Bonsoir à tous les intervenants qui viennent de passer. Bonsoir à tous les EPV. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les amis et partenaires de la Côte d'Ivoire et bonsoir spécial au président de la République. Oui, chers frères éclaireurs, pour rester dans le tempo, je vais commencer aussi par Salif Keïta. Voilà. Et donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je me pose bien la question, qui c'est qui a donné cette autorisation-là? Parce que si les gens font l'annonce, ça veut dire qu'ils ont eu l'autorisation. Alors, ceux qui ont fait cette autorisation-là, à quoi ils ont pensé? Salif Keïta, qui a mis en détresse tout un pays, un certain nombre de familles dont les enfants devraient être accompagnés par leurs parents à la rentrée qui a précédé leur libération. Vous vous rendez compte? Il y en a d'autres qui peut-être qui sont tombés gravement malades. Il y a eu la fête de fin d'année dont les parents n'ont pas pu être présents auprès de leurs enfants. Et ça, nous-mêmes qui étions ici, nous en avons énormément souffert. Combien de temps le président en a souffert? Combien de temps tous ceux qui œuvraient, qui faisaient les va-et-vient dans les négociations? Et Salif Keïta était là, il n'a pas démissionné. Et c'est maintenant, on nous dit qu'il a démissionné. Ah non, c'est que peut-être même qu'il est toujours en connivence. Donc, sa venue doit nous interpeller beaucoup. Est-ce qu'il ne vient pas en mission? Est-ce qu'il n'est pas en train de monnayer cette liberté qu'il a là-bas puisqu'il a démissionné? Et nous sommes certains que ces putschistes-là ne vont pas le laisser tranquille, qu'il n'aura pas le sommeil tranquille à partir du moment où il a démissionné. Et donc nous, Salif Keïta, on ne peut pas lui faire confiance, ce n'est pas possible. Alors, tu viens dans une soupe, qu'est-ce que tu viens faire dans la préfecture de France? Vous dites à part la France, vous ne voulez plus de la France. Mais la France nous donne de l'argent, et c'est cet argent-là que tu viens prendre. Il faut être cohérent. Avec ton âge, je crois que tu devrais avoir honte. Les organisateurs, on sait, il faudra aller voir qu'est-ce qui les a motivés à donner cette autorisation. Donc ça, c'était pour la part de Salif Keïta. Le problème des stades, dont on évoque, on parle tous les jours ici. Mais nous en avons été inquiétés depuis un certain temps, depuis 2022, me semble-t-il. Et quelle chance la Côte d'Ivoire a eu d'avoir plusieurs reports du fait du Covid, du fait même de la saison de pluie, et avec ça, qu'on ait encore des difficultés avec le stade de Dimpé, avec le stade de Boaké. Ça, franchement, Dao Poulin et même le Premier ministre qui supervise tous les travaux des ministres, bien évidemment, leur invention du gouvernement est tout à fait justifiée pour ceux qui disent que oui, Patrick Hachi, il travaille bien, oui, non, c'est pas possible. Parce que là, on a notre dignité en jeu. Et ça, au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas si ces deux stades-là, par rapport à quoi qui est l'accès n'étant pas praticable, et BMP, on ne sait pas quelle surprise nous attend. Et donc, franchement, il va falloir que le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, soit vraiment assez efficace.
Donc, nous faisons confiance au président de la République qui a reconduit un certain nombre de ministres et qui a nommé de nouveaux ministres, et nous attendons beaucoup de ces nouveaux ministres. Alors, parmi les ministres reconduits, mes prédécesseurs en ont parlé tout à l'heure. Moi, je vais m'appuyer beaucoup sur le ministère de l'Agriculture. Oui, il faut protéger notre agriculture, parce que j'ai parlé la dernière fois que la Côte d'Ivoire était 5e producteur mondial de palmiers à huile. Et nous, dans le secteur du palmier à huile, vous avez deux tiers qui sont les privés, c'est-à-dire nous, vous et moi, qui faisons quelques hectares, et donc qui sont en grande difficulté en ce moment du fait de l'importation des produits ici de palmiers à huile en provenance des pays qui sont subventionnés. Nous avons une agriculture qui est peu subventionnée, sinon pas du tout. Et ça, le ministre de l'Emploi jeune, le ministre de l'Agriculture, doivent travailler de concert, de telle sorte que dans l'agriculture, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'est plus la daba ni la machette. Bien sûr, il y a les intrants, donc on va parler des engrais pour pouvoir fertiliser les sols, mais aussi ce que nous devrons employer, donc les machines, et il y en a de tout genre. La Côte d'Ivoire a eu ce partenariat avec la Corée du Sud qui va aider la Côte d'Ivoire dans l'autosuffisance, en tout cas en riz. Ça, c'est côté riz. Mais il y aura certainement, il y a différentes sortes d'aides. Hein. Donc, nous avons tout ce qui est produit, mais il y a le matériel. Je me souviens bien au temps du temps Félix Houphouët Boigny, paix à son âme. Vous savez très bien que lui, c'est un planteur. Il aimait d'ailleurs qu'on l'appelle planteur, puis d'appeler président. Hein, et donc, il envoyait des machines, des tracteurs, mais ce que nous avons constaté, nous qui étions en ce moment dans les villages, au fin fond du pays, quand les machines arrivaient, la plupart, ça, c'était Yamoussoukro, Boaké. Et ceux qui ont la chance que ça arrivait, par exemple, à Otiéné, là encore, c'était quelques rares villages, sinon les chefs de canton qui bloquaient les machines au lieu de servir tout le canton. Donc, nous aimerons que vraiment, ces ministres-là, ils aillent au fin fond des campagne, pour aller vraiment s'imprégner des besoins de nos parents paysans et éviter surtout de confier toute la charge à nos cadres qui sont assis dans les bureaux à Abidjan et dont leur déplacement va coûter deux fois parce que ce qu'on va donner, ils vont partager, ils vont diviser la somme qui est allouée à nos paysans en deux, donc ils vont se servir beaucoup plus avant que le reste n'arrive à nos pauvres paysans qui font mains et pieds pour que nous soyons, en tout cas nous ayons notre souveraineté alimentaire. Donc nous proposons que le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce de l'Extérieur travaillent ensemble. Alors le ministère même de l'électricité là, comme Sangafoua, il a augmenté l'électricité. Mais monsieur Sangafoua, au lieu d'augmenter l'électricité, les produits qui font concurrence à ce que nous produisons sur place. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple du palmier à huile. Au lieu d'importer, vous pouvez demander à votre collègue du ministère du Commerce extérieur de relever les taxes à l'importation de ces produits-là qui vont concurrencer et donc en difficulté les 200 000 planteurs. Pardon, les 24 000 planteurs de palmiers à huile qui emploient 200 000 personnes et qui fait nourrir 200 millions d'Ivoiriens. Pardon, 2 millions d'Ivoiriens. Et donc, c'est ce que nous proposons à ces deux ministères-là pour qu'ils travaillent ensemble. Et ça y va de l'agriculture, même le partenariat que nous venons de tisser avec la Corée du Sud. Si nous ne protégeons pas ce que nous produisons sur place, vous comprendrez que en donnant la faveur aux importateurs, ils vont toujours causer, on va dire, la vie sera toujours chère. Bien sûr, quand nos producteurs locaux auront des machines, auront la possibilité, même un peu de subvention, forcément, la vie va être moins chère. Mais la vie là-même, pourquoi elle sera moins chère? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Quand nous avons toujours parlé des rentes viagères ici, quelqu'un qui est assis, qui a fini peut-être même de faire 5 ans ou même plus 10 ans de servir l'État, même que ce soit bien ou en mal, il reçoit des rentes viagères à coût de millions. Pendant que nos pauvres
paysan, pour juste avoir une machine juste arrosée, ou bien même un seul forage qui va lui permettre de se priver de nos longues sécheresses, eh ben, vous voyez que ça mérite de beaucoup de réflexion. Donc, là, on est à la rentrée. Vous avez remarqué, même Sundiata l'a souligné hier, le manque d'enseignants. Mais l'enseignement n'attire plus. Beaucoup préfèrent aller passer par la corruption, avoir des postes où il y a assez de primes, où ils peuvent piocher dedans. Vous voyez, et c'est ça, on assiste. Donc, cette pénurie d'enseignants-là, c'est aussi bien au primaire, au secondaire et même plus. Malheureusement, personne ne va bouger pour pouvoir toucher à ce problème de rente viagère qui est vraiment la catastrophe financière que la Côte d'Ivoire est subie. Et donc, malheureusement, si rien n'est fait, ça va aller du mal en pis, parce que chaque nouveau gouvernement formé, c'est de l'argent que le contribuable va perdre et la Cour des comptes, comme le frère Abdou l'a dit hier, malheureusement, on ne sait pas à quoi ça sert et qui reste muet sur tout ça, comme si elle ne voit rien, comme si elle ne sait rien. Et là, je pense que nos concitoyens ont besoin beaucoup plus des gens qui vont venir travailler pour le peuple. Cher frère éclaireur, je vais m'arrêter là parce que il me semble que j'ai atteint mes 10 minutes. Je reste à l'écoute si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, vous dire merci infiniment pour ces clarifications que vous avez eu à faire. Très utiles parce qu'elles auront permis de donner encore plus de visibilité et de compréhension. Vraiment, merci pour cette sortie-là. Et nous allons vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Allô? 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 Oui, bonsoir le grand tonton. Oui, bonsoir mon grand tonton, comment ça va? Ça va très bien chez toi. Allô, je me fais entendre? Oui, on vous entend, vous pouvez parler. D'accord, merci de me donner la parole. Comme je ne suis pas trop dans les conditions optimales, je ne vais pas être très long. J'aimerais simplement saluer le remaniement et dit merci à notre grand président qui nous a permis de vraiment vraiment qui nous a écouté et qui est vraiment à notre écoute et qui a fait le remaniement qu'on a vu. Nous demandons au nouveau ministre et les anciens qui signent fort pour ces anciens là, il faut qu'ils comprennent que ils n'auront une autre occasion de se racheter. Donc vraiment, tout le monde doit se mettre au travail, le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur des Ivoiriens, et surtout pour donner vraiment une image honorante au président qui ne cesse de se battre et qui ne cesse de donner le meilleur de lui-même pour le pays. Je pense que pour moi, il y a des ministres qui sont passés à la trappe. Je pense qu'ils n'auront aucune autre chance. Voilà. Et puis, pour parler de développement, surtout, j'ai bien aimé tes idées comment attirer les jeunes dans le secteur agricole. Je pense qu'il y a vraiment, on sent un manque vraiment de volonté de la part de certains ministres. Honnêtement, on sent un manque de volonté de la part de certains ministres. Il va falloir vraiment qu'ils redoublent d'efforts. Je souscris entièrement dans les idées qui ont été émises par les différents intervenants concernant la promotion même de certains métiers au niveau même du secteur primaire. Tout ce qui est agriculture, élevage, pisciculture, siliculture, tout ce qui est élevage. Il va falloir vraiment que nos différents ministères se mettent vraiment à la tâche
Et je remercie encore les EPV qui ont permis que le ministre de la Jeunesse fasse vraiment des efforts et qu'il comprenne qu'il est là, il est là pour se servir, et il est là, pardon, pour servir le peuple et la jeunesse et non se servir. Donc nos critiques sont vraiment positives. Essayons de continuer sur cette voie afin de pouvoir tous ensemble accompagner ce gouvernement-là pour qu'il donne des résultats satisfaisants pour toute la population. Donc, vraiment, je me suis garé rapidement pour répondre. Donc, je ne pourrais pas trop rester longtemps en ligne. Je te dis vraiment merci et je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup. On ne va pas abuser de votre temps. On vous souhaite vraiment une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, mon grand-tante. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous venons d'arriver à la fin de l'émission du jour. On ne va pas se séparer sans dire merci à tous ceux qui sont restés, qui ont animé le direct, à tous ceux qui ont mis les cœurs, à tous ceux qui ont fait les partages, à tous ceux qui ont donné de leur voix pour essayer d'apporter leur part de vérité ou tout au moins leurs opinions. Vraiment, merci à tous. Et demain, ça sera un autre jour que Dieu nous permette de vivre suffisamment longtemps. Et donc, nous nous retrouverons demain, s'il plaît à Dieu. Excellente soirée et très bon week-end aux uns et aux autres.